Bonsoir, bienvenue sur la chaîne panafricaine. Un jour, un événement, un homme. Au Ocende Afana, l'autre dimension de l'intégration africaine. C'est le 111 du 237, l'émission qui ouvre les portes de la réconciliation africaine avec son histoire. Avec l'histoire tout simplement, avec toute l'histoire. Pour vous en parler aujourd'hui, nous avons sur ce plateau M. Simo, le patriarche Simo qu'on ne présente plus. Anthropologue, chercheur indépendant, médecin et homme de science qui a, dans le cadre de la pandémie qui secoue le monde entier, n'est-ce pas, apporté sa contribution à la résilience, à la résistance africaine. Bonsoir, Dr Simo Patriarche. Bonsoir, mon frère. Merci une fois de m'avoir invité pour cette première émission qui a une importance capitale pour la reconstruction culturelle de l'Afrique. Et je dis encore bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, tous les techniciens, tous les responsables qui ont réussi à faire en sorte que nous puissions donner notre point de vue dans le monde entier en matière culturelle, politique, économique et sociale. Parce que, vous savez, depuis des décennies, l'Afrique a été toujours marginalisée sur le plan de la communication. On était complètement coupé de notre culture et on n'avait même pas moyen de communiquer. Et Dieu merci, depuis au moins 10 ans qu'Afrique Média existe, aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place et vivement que nous puissions libérer complètement l'Afrique et regarder dans la même direction tous pour faire une véritable union africaine. La chaîne panafricaine, vous avez entendu, a donné la voix de l'Afrique, la voix authentique de l'Afrique. Avec nous sur ce plateau également, le professeur Com. Il s'occupe des enfants, des jeunes Camerounais, il les mène vers la voie de la renaissance africaine et certainement, ce soir, l'image, la force d'esprit, l'engagement d'Ocende Afana servirait de levier pour lui, pour tous ces jeunes apprenants qu'il encadre au quotidien. Bonsoir, professeur Com. Merci, présentateur de l'émission. Tout d'abord, je vais saluer le patron d'Afrique Média pour cette œuvre grandiose qu'il a mise sur pied et qui, aujourd'hui, se trouve être un élément avant-gardiste dans la lutte panafricaine. Je vais vous remercier aussi, monsieur le présentateur, de m'avoir invité, d'avoir fait confiance à mon niveau de connaissance en matière de panafricanisme, sans oublier M. Jérôme Ibo-Sama, qui a pensé en moi également. Je salue mes copanélistes, à savoir M. Simon et M. Bellec, qui entrent là, de même que j'adresse un salut chaleureux et fraternel à tout le grand public qui nous regarde, sans oublier les techniciens, sans qui rien n'est possible sur le plateau. Merci, professeur Com. Et comme vous le disiez tout à l'heure, nous recevons sur ce plateau le professeur Bellec, astrophysicien panafricain engagé et certainement quelqu'un qui a entendu parler ou côtoyer ceux qui ont côtoyé au Ocende Afana. Professeur Bellec, bonsoir et bienvenue sur la chaîne panafricaine. Oui, bonsoir, Serge. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Et je suis bien content de cette nouvelle reprise de Renaissance africaine. Alors, et je suis content d'être là. Bonsoir à mes copanélistes, à savoir le doyen Simo et puis on se connaît bien depuis l'Élysée Diosse, professeur Com. Exact. Voilà. Et oui, effectivement, j'espère qu'on va éclairer un peu le public sur le sujet concernant notre héros national, Castor Ocende Afana. Vous l'avez entendu, un jour, un 15 mars 1966, un événement, l'odieux assassinat d'Ocende Afana, un homme, le docteur Castor Ocende Afana, l'un des esprits les plus brillants que l'Afrique ait jamais produit, assassiné dans des conditions encore aujourd'hui non éclairées. Nous amenons la jeunesse africaine à s'interroger par devoir de mémoire sur cette figure tutélaire, parce qu'il est temps que l'Afrique coupe le cordon ombilical du lien colonial en s'appropriant ses propres images, ses propres figures, si j'emprunte en espace la religion coloniale, ses propres saints et ses propres anges. Et je pense Castor Ocende Afana fait partie de cela. Docteur Patriarche Simo, si on vous demandait Ocende Afana, l'intellectuel, l'idéologue, le stratège ou le rebelle, quelle est l'image qui viendrait à votre esprit?
En réalité, je voudrais jamais, je dis bien jamais, emprunter le qualificatif que les Occidentaux ont mis en place pour nous donner un nom. Parce que vous savez, en Afrique, les Occidentaux ont tout fait pour noyer toutes nos valeurs culturelles, spirituelles et économiques dans leur langage. Ce qui fait qu'on se les a appropriés et on ne jure que par ces noms qui n'ont même pas de sens. Je vous dirais que je n'aime pas de nom pour qualifier l'auteur Hossein Diafana. C'est un très grand... Moi, en tant que militant de l'UPC, Hossein Diafana, c'est un très, très, très grand monsieur que, avec le temps que j'ai passé en Algérie, j'ai eu à lire des documents sur ce docteur Afana qu'on ne peut même pas avoir ici parce que, vous savez, la plupart du temps, les colons ont tout fait pour détruire le socle de la culture africaine, de l'histoire réelle africaine. Ils ont mis en place ce qui leur convient pour nous décrédibiliser. Docteur Afana, c'était un très grand monsieur. Quand vous lisez son histoire, vous ne pouvez qu'avoir les larmes qui coulent. Parce que ce sont des gens qui avaient des visions pour le continent africain. C'est des gens qui ont parlé que unité. Ils ne faisaient rien pour leur compte. Sinon, c'était des gens qui pouvaient se démarquer, qui pouvaient disparaître pour ne pas mourir. Mais ils sont morts pour une cause purement africaine, camerounaise d'abord et africaine, parce que ce sont des gens qui ont passé tout le temps à prôner la véritable Union africaine. Et ceux, ils étaient nombreux avec les Oumyobé, Wang Jianès, Abel Kingé, ils sont nombreux comme ça, qui ont préféré se sacrifier au lieu de se livrer aux colons pour des intérêts personnels. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on doit parler de gens comme Hossein Diafana, Oumyobé et les autres, je vous assure que je ne sais pas si aujourd'hui il peut y avoir des nationalistes, des panafricanistes convaincus comme ces gens qui ont préféré laisser leur vie. Parce qu'on leur a tout proposé. Je dis bien tout proposé. Mais ces messieurs ont été catégoriques. Je ne peux pas vous cacher, je ne m'en vante pas. Je suis un peu... Ce sont des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration et ce sont mes modèles. Parce que je peux vous dire, la plupart du temps, vous avez suivi à peu près ce qui se passe en Afrique, en matière de corruption. Je peux vous dire, j'ai été l'un des gens qu'on a approché pour payer, pour que je m'intéresse sur cette chaîne, pour ne plus dire ce que je pense. Malheureusement, ce sont des gens qui sont morts pour cette raison. Et moi, je préfère mourir que de prendre de l'argent pour sacrifier ou le Cameroun ou l'Afrique. J'en ai rien à foutre. Donc je dis, c'est des modèles où les Africains devraient prendre comme exemple et se mettre et faire le sacrifice pour que l'Afrique change. Tant qu'on ne l'a pas fait et qu'on est obligé de sacrifier et son ventre et son bas-ventre, pour sacrifier l'Afrique pour son ventre et son bas-ventre, je suis désolé, on ne pourra aller nulle part. Donc il est temps que les Africains prennent conscience et prennent ces gens pour modèles et copient et font en sorte que l'Afrique change pour le bonheur de tout le monde. On reviendra parce que là, vous aviez déjà envie de pousser le débat au niveau de l'élévation de Castor au sein d'Afana comme figure tutélaire, comme divinité, comme démiurge, parce qu'il a été élevé au rang de héros national. Né en 1930 en Goksa, aux encablures de Debda, dans l'actuel Lekie, Castor au sein d'Afana se révèle très vite être un brillant esprit, mais aussi un homme prêt à défendre ses droits. Professeur Com, est-ce que vous avez une idée de la trajectoire de ce jeune homme ? Le tout premier docteur en sciences économiques d'Afrique noire qui a pris pour sur lui de se sacrifier non seulement pour la libération du Cameroun, mais pour la libération de tous les peuples opprimés. Alors, tout à l'heure, vous avez demandé, M. Hossein Diafana, faut-il le regarder comme un intellectuel, un idéologue ou alors un rebelle ? Je dirais qu'il va de soi que c'est un intellectuel tout d'abord, parce qu'il était nanti d'un doctorat. À l'âge de 36 ans, était déjà docteur, s'est fait preuve d'une grande valeur intellectuelle. Deuxièmement, c'était un idéologue, parce que le parti UPC, qui était le sien, avait une idéologie. Il y avait trois points fondamentaux, dont je me souviens par exemple la recherche du bien-être des Camerounais, la revendication de l'indépendance immédiate, et un troisième point dont je ne me souviens pas bien. La réunification du Cameroun. Merci pour le complément. D'autre part aussi, M. Hossein Diafana, il était idéologue parce que depuis le grand séminaire où il est passé, eh bien, il avait été renvoyé en raison de ses idées jugées subversives. Ça veut dire que c'était quelqu'un déjà d'avant-gardiste qui voyait plus loin que la majorité. Même à Toulouse, où il a poursuivi ses études, il s'était toujours démarqué par ces idées qu'on trouvait anticoloniales. On voyait en lui un frondeur. Il était l'un des représentants des étudiants camerounais à la Fédération des intellectuels d'Afrique noire.
Voilà un peu le trajet, à ma connaissance, qui a été celui de Senda Afana, brièvement résumé. Donc c'était quelqu'un de brillant, et puis je pense qu'il a mérité tout normalement son titre de héros national. Très engagé, hein, pas seulement au séminaire, parce qu'il est renvoyé au grand séminaire, il s'inscrit, il se retrouve au lycée Leclerc, où il mène également une grève contre les conditions de vie des étudiants, des élèves indigènes. Malgré la répression qu'il subit, il passe avec brio son bac. Et professeur Mbelek, il va se retrouver, n'est-ce pas, non seulement militant de l'UNEC, militant de la FIANF, mais aussi responsable du journal L'étudiant noir. Alors, pour vous, que représente ce jeune Camerounais, ce jeune Africain? Parce que nous verrons plus tard qu'il n'a pas seulement porté le combat du Cameroun, il a porté le combat de toute l'Afrique. Oui. Alors, OCND est mort à 36 ans. Il n'a pas vécu vieux. Nous autres, on est déjà beaucoup plus âgés. Et dans ma jeunesse, quand j'étais étudiant, moi, j'ai toujours entendu dire beaucoup de bien d'Ossène Afana. C'est-à-dire, non seulement en tant qu'intellectuel, mais vraiment quelqu'un qui avait l'amour du pays et de l'Afrique. C'est-à-dire que jusqu'au sacrifice suprême. C'est un intellectuel, effectivement. Il aurait pu très bien négocier son passage dans une administration vraiment quelconque ici au Cameroun. Et non, il savait que l'indépendance proclamée en 1er janvier 1960 au Cameroun, avant la réunification d'ailleurs, n'était pas vraie, si réelle que ça. Voilà, en Bassa, on disait Koundé Ségui. C'est-à-dire que l'indépendance, ce n'est pas tout à fait ça. C'est un peu bancal, pour traduire un peu en français. Et Ossende le savait. Donc Ossende ne s'est pas contenté d'être intellectuel et d'aller chercher du travail parce qu'elle a eu ses diplômes, son doctorat. Et d'ailleurs, sa thèse portait sur l'économie de l'Ouest africain. Donc Ossende s'est engagé, il s'est donné physiquement dans le maquis. Et il va être tué dans le maquis. Et il va être tué par les forces camerounaises. Ça, c'est important de le dire, parce que j'entends beaucoup de supporters de Ahmadou Ahidjo qui font semblant de nous faire croire que le monsieur était parfait, idéal, qui a fait beaucoup de bonnes choses pour le Cameroun. Je n'en disconviens pas, mais il a quand même du sang de beaucoup de Camerounais dans les mains. C'est que moi, dans ma jeunesse, pour moi, Ahidjo, c'est un sanguinaire. Il a du sang de beaucoup de Camerounais. Au Ossène Afana, on a tranché beaucoup de versions sur la mort d'Ossène Afana. Une d'elles dit qu'on lui a tranché la tête et la tête est partie à Yaoundé pour qu'Aïdjo puisse la voir. Absolument. On va revenir. On va revenir sur les conditions de son assassinat. Bon. Nous nous excusons pour le professeur Aboua qui devait être sur le plateau de Yaoundé et qui devait nous faire, n'est-ce pas, toute cette trajectoire des 6 mois de combat symbolique d'Ossène Afana du 1er septembre 1965. Au 15 mars 1966, parce que Ossende Afana, fiché par la DST comme marxiste léniniste convaincu et stratège hors pair, était l'objet d'une surveillance permanente. Mais il va réussir à déjouer la surveillance française en 1958 pour rejoindre le reste des leaders de l'Union des populations du Cameroun au Caire, où il s'est fait remarquer directement par Moumié, qui le met auprès de lui. Au point où, quand Moumié quitte le Caire, c'est Ossende qui reste le représentant, non seulement de l'UPC, mais des autres mouvements panafricains auprès du gouvernement égyptien et aussi de l'alliance de solidarité entre les peuples africains et les peuples asiatiques. C'est à cela que, lorsque, en 1958, il y a une importante réunion qui se tient au Caire sur la possibilité de fédérer l'ensemble de la dynamique de la lutte africaine. Et on demande, parmi les jeunes États qui commençaient à être indépendants, notamment la Guinée et le Congo-Kinshasa, qui commençait aussi à sentir qu'il sera l'indépendance, qui peut être d'accord d'abriter un gouvernement panafricain qui va former l'élite africaine pour le combat après les indépendances. Eh bien, Patrice Lumumba accepte de porter cela. Malheureusement, à cette réunion, la CIA américaine avait infiltré des gens qui avaient appris ce qui se préparait. C'est pour ça que lorsque Ossende Afana fait partie de la délégation qui s'en va célébrer l'indépendance du Congo avec Frantz Fanon et avec pour mission d'accompagner le peuple congolais dans sa construction de la jeune république, eh bien, il est déjà sur les fiches ou les cartes, comme disent les Américains, sur le jeu de cartes des Américains, comme les personnalités africaines qu'on doit liquider.
Et ça, beaucoup ne le savent pas. C'est pour ça qu'une fois au Congo, dès que le représentant de la CIA ou le suppôt de la CIA, Mobutu, réussit son coup macabre, le décret qui expulse Frantz Fanon est le même décret qui expulse Moumié et Ossendi Afana. C'est comme ça que Ossendi est obligé de se retrouver à nouveau au Caire maintenant. Et il commence donc à planifier le mouvement pour préparer, n'est-ce pas, le harcèlement du futur gouvernement camerounais. Il convainc ses camarades que c'est vrai, il y a déjà un front au littoral, c'est vrai, il y a un front à l'ouest, mais pour fragiliser, pour harceler et mettre dos au mur ce gouvernement, il faudrait ouvrir le front de l'est. Et il entreprend donc d'organiser, n'est-ce pas, l'entrée de l'union de population du Cameroun dans la zone de l'est. Au début, il n'est pas question pour eux de commencer, parce que ce qu'on dit souvent, c'est qu'on dit qu'il était question de commencer directement par la lutte armée, non? Dans leur stratégie, il y avait d'abord une campagne de sensibilisation, surtout parce que le gouvernement congolais leur avait dit qu'il ne voudrait pas qu'il y ait des actions armées avec pour arrière-base directement son territoire. Et donc la première action devait être l'action de sensibilisation. C'est comme ça que Ossendi Afana arrive à Brazzaville. Il a dans ses valises un certain Henri Hoogbeenlin, donc la biographie de Wungle Massaga, rédigée par le professeur Daniel Abois, qui malheureusement a eu des inconvénients pour ne pas être là ce soir, aurait pu nous parler plus largement. Dans sa biographie, le docteur Wungle Massaga s'interroge beaucoup sur le rôle qu'aurait joué le professeur Henri Hoogbeenlin sur, n'est-ce pas, la surveillance et les embuscades qui seront tendues à la petite équipe qu'Ossendi Afana fait entrer à l'Est Cameroun à partir du 1er septembre. Parce que ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'ils n'étaient que 12. Wamba, Ossendi, Fosso François et quelques-uns. Et parmi les 12, il n'y a que Fosso François, ancien vétéran de l'armée de la France libre, jeune Camerounais, qui était chargé de la formation militaire. Tous les autres étaient des militants chargés de l'encadrement des populations. Et dès qu'ils vont faire leur entrée à Mulundu, ils vont tellement bien mener l'action de sensibilisation que les forces coloniales vont commencer à tyranniser les populations. Le village de Ngili, de Ngoko, on commence à arrêter les gens. Dès qu'on apprend que vous avez reçu l'un de ses camarades, on vous arrête, on vous déporte. Et c'est comme ça que Ossendi, au bout d'un mois de travail, se rend compte qu'il va falloir, n'est-ce pas, former également militairement une équipe pour sécuriser, y compris lui et ses camarades, et aussi, donc il va anticiper, il va accélérer le mouvement militaire. Malheureusement pour eux, à partir d'octobre, ils commencent à faire objet d'un harcèlement permanent de l'armée camerounaise. Le 5 octobre, par exemple, il y a une violente attaque qu'ils vont subir au village de Ngili. Ils vont être obligés, ce sera la débandade totale. Ils vont perdre environ 10 camarades, 10 jeunes recrues parmi les jeunes qu'ils formaient dans le village. Donc eux-mêmes, l'armée ne les atteint pas. Mais pour marquer psychologiquement les populations qui sont là, on décide d'assassiner des simples citoyens qui étaient venus les écouter. Ossendi, comme il avait très bien conçu sa stratégie en s'adossant, parce que pour ceux qui connaissent l'Est Cameroun, quand tu parles de Mulundu, à part ça, la Pumbe Mulundu, Yoko, Ngili, Ngoko, à montant, juste vers Ndelele, tu es adossé à la frontière centrafricaine. Donc ça leur permettait de replier très vite en brousse et d'essayer d'avoir un espace qui les protège. À partir du 20 octobre, ils se replient donc et ils décident de réévaluer la situation. Ils envoient un émissaire rencontrer Brazzaville. Et qui était à Brazzaville? C'était Henri Hoogbeenlin. Il décide d'envoyer un autre. Celui qu'il envoie à Brazzaville s'appelle Kola Angor. Il envoie un martien, ailé, pour rejoindre ses camarades de Yaoundé et essayer de voir s'il peut entrer en contact avec ceux du littoral et de l'ouest pour leur exposer la situation à laquelle il fait face. L'homme qui est parti à Brazzaville rencontre effectivement le professeur Henri Hoogbeenlin, lui fait le point et dans les seuls documents qui existent, parce que pour cet événement, la République congolaise, Brazza, a déclassifié certains documents.
le rapport d'Ossende Afana et le rapport de François Fosso. Dans ces documents, Ossende demande donc à Hoube, qui était resté pour faire, n'est-ce pas, le lien avec l'extérieur et aussi avec les partenaires, d'accélérer le mouvement de renforcement des capacités militaires de la troupe. Sinon, le terrain va devenir très difficile. Malheureusement, à son retour, l'émissaire Kola Ango est cueilli sur Langoko par un peloton de l'armée camerounaise. Question, comment on a-t-il su? Quelqu'un qui est sorti sans pouvoir se faire arrêter. Comment, en rentrant, va-t-il se faire arrêter et exécuter par les troupes, par le peloton commandé par le commandant de bataillon Douma? Voilà comment, n'est-ce pas, l'équipe qu'Ossende Afana essaye de faire entrer à l'Est commence à avoir les problèmes 2 mois seulement après son entrée sur le territoire. Je pourrais vous dire quelque chose avec votre permission, pour dire que moi, j'ai lu beaucoup sur l'histoire de l'UPC, parce que je suis militant, depuis la clandestinité. Je suis rentré ici. Quand Aïe, j'étais là, je ne pouvais pas mettre les pieds dans ce pays. Pour la simple raison que nous, à l'UPC Manidem, je vous le dis, je suis militant de l'UPC Manidem dans la clandestinité, c'est qu'on s'est rendu compte de toutes ces trahisons. Quand on a commencé à faire ces déclarations, à pouvoir restituer la vérité, on a eu en face de nous des pro-Mahimatip et le propre Haubelin, qui se sont opposés complètement aux militants réels de l'UPC, qui ont continué la bataille après cette tragédie du Congo. Ce qui fait que, jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous verrez qu'au sein de l'UPC, il y a des divisions, simplement parce qu'il y en a qui ne veulent même pas s'approcher de ce pouvoir colonial qui est en place dans les pays africains, qui ne veulent pas en parler et qui ne veulent même pas rentrer, que ce soit à l'Assemblée, que ce soit n'importe où, que ce soit dans le gouvernement, ils n'en veulent pas. Et ont réussi à les museler complètement. Aujourd'hui, l'UPC Mandiam a réussi dans tous les tribunaux à avoir raison. Mais ce parti ne peut pas exister pour des raisons évidentes, parce que les pouvoirs en place ne veulent pas parler de cette vérité. Vous êtes un groupe qui gêne. Voilà. Donc, et c'est ce groupe qui est complètement en... qui ne veut même pas entendre parler de ce qui rentre Mais ce que moi je voulais savoir, Patriarche Simo, c'est que en vous brossant cet élément-là, je voudrais qu'on regarde un peu la faune politique actuelle et la problématique, parce que nous avons dit au Ossende Afana l'autre dimension de l'intégration africaine. Mm-hmm. Vous voyez la problématique que je voulais mettre en avant, c'est cette collusion incestueuse entre certains qui ne perçoivent pas l'urgente nécessité d'un combat collectif, intégratif pour l'Afrique, pour pouvoir faire face à ceux qui nous ont classés comme des proies. Et comment aujourd'hui on peut se servir d'une figure comme Ossende Afana pour, n'est-ce pas, changer de cap? En réalité, c'est même Ossende Afana, c'est un militant qui devait être un militant fédérateur si les gens comprenaient le sens de la lutte de l'UPC. Parce que, je l'ai dit tantôt, l'UPC est un parti un parti visionnaire. Parce que c'est que les pères fondateurs de l'UPC ont mis en place. Aïe, je vais partir là-dedans. Il a pris quelques aspects qu'ils ont arrangés pour l'intégrer, mais il ne l'a pas appliqué parce que, vous savez bien, dans la vie, la copie ne pourra jamais être l'original. Vous avez beau tricher, mais vous ne pouvez pas avoir l'original de ce qui a été, qui pouvait être fait. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le programme de l'UPC, si on l'avait appliqué même que à 25%, l'Afrique serait aujourd'hui unie. Parce que la condition de l'indépendance, c'était un panafricaniste, un nationaliste à la tête de chaque État africain. Or, ce sont des pantins que l'Occident a fabriqués. Ils ont mis à la place des gens pour leurs intérêts. Jusqu'au jour, on le sent dans tous les pays africains, le précaré français. Donc, ce qui fait que tant qu'on n'a pas revu la position des gens comme Ossende Afana, qui étaient des militants convaincus, des nationalistes, des panafricanistes, qui n'avaient pour seul objectif l'unité africaine et la vraie indépendance des pays africains, on va passer tout le temps à raconter tout ce qu'on veut. Tant qu'un nationaliste ne peut pas... Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui vous disent qu'ils auraient pu négocier parce que c'est parce qu'ils ont été très intransigeants qu'on n'a pas voulu, ils pouvaient y aller progressivement, comme Senghor avait dit dans un discours. Ceux qui ont voulu aller progressivement, ils en ont aujourd'hui. Quand nous donnons le bilan de leur progression dans ce gouvernement colonial, on a l'indépendance, on a l'économie, notre monnaie est dans les poches de ces colons qu'ils ont prétendu aller changer. Ils n'ont rien changé. Et quand la COVID arrive, il n'y a pas de médicaments. Alors, allez nous dire qu'est-ce qu'ils ont apporté dans ce gouvernement de voyous qu'ils ont soutenu. Quand nous disent s'il y a un bilan positif, on peut comprendre que l'UPS a eu tort. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun bilan qui peut prouver à qui que ce soit que
L'UPC avait tort de poser les actes qu'ils ont posés jusqu'à aujourd'hui. Donc je dis encore, les véritables militants de l'UPC, convaincus, sont hors de ce gouvernement. Ils ne pourront jamais adhérer. Moi, je suis militant de l'UPC. Vous ne pouvez pas savoir les batailles que j'ai menées. Je ne veux pas m'en parler parce que je ne suis pas le seul. Il y a des gens qui ont fait mieux que moi. Donc, vraiment, je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'une goutte d'eau dans un océan. Alors, professeur Combe, vous qui avez encore la chance d'avoir des jeunes esprits que nous pouvons formater, quand les gens viennent vous dire que Ossendé Afana était un transigeant, c'était un maquisard, c'était, il menaçait, vous savez, le mythe qu'on dit souvent, l'unité nationale, que pouvez-vous leur répondre? Bon, tout à l'heure, vous avez évoqué l'éventualité que M. Ossendé Afana soit considéré comme un rebelle. En réalité, le considérer comme un rebelle, ce serait le regarder à travers les yeux de l'autre. C'est le regard que le colon, que l'impérialiste pouvait avoir à son égard. C'est des nationalistes. Je me souviens en 90, alors que je suis à l'université, lorsqu'il y a eu l'ouverture démocratique, c'est là où je me rends compte que ceux qu'on appelait maquisards, dans mon enfance, ils étaient plutôt glorifiés. Alors ça fait un bouleversement dans ma tête, je me suis demandé, mais j'ai donc lu peut-être seulement l'histoire des vainqueurs. J'ai pris conscience de la vraie réalité. Donc, c'était un héros. On ne peut pas dire que c'était un maquisard. D'un autre côté, l'historique que vous avez brossé un peu tout à l'heure, en dégageant une sorte de dualité entre M. Ossendé Afana et M. Henri Robelen, cette dualité m'a également rappelé celle qu'il y avait entre M. Ruben Oumniobé et Mahi Matip. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, en réalité, on se retrouve en face d'une situation où il y a une implication du nègre de maison, du nègre de salon, le collabo, le traître, si vous voulez. Celui qui, pour de l'argent souvent, est amené à vendre son frère. Je n'accuse personne, mais il y a lieu de soupçonner. Parce que la question est toute naturelle. Comment a-t-on su que M. Ossendé devait se trouver sur le pont de la Bumba Ngoko ce jour-là, alors qu'il était parti du Congo pour le Cameroun, de manière très sereine, sans crainte? Comment expliquer ça? Donc, voilà un élément que je voulais dégager. L'autre chose que m'a suscité votre rappel historique, ça m'amène à revenir sur la question de la modération en matière politique. Parce qu'au-delà du chercheur, j'ai l'ambition politique, j'ai une vision politique personnelle. Je me rends compte que dans l'univers politique, que ce soit camerounais ou africain, ou même mondial en général, la tendance modérée est rare. On ne connaît que les deux extrêmes. Par exemple, si vous dites du bien de Paul Biya, on considère d'emblée que non, vous êtes de ceux qui détournent l'argent de ce pays, bien vous êtes du RDPC. Ou alors, si vous dites du mal de Paul Biya, on considère Jean-Maurice Kamto, on considère que vous êtes d'office du RDPC. Ou bien si vous dites du bien de Maurice Kamto, on considère que vous êtes directement du MRC, par exemple. Alors que la modération politique, c'est la capacité à dire du bien ou du mal, ou alors à apprécier ce qui est bon ou ce qui est mauvais de manière assez objective. Que vous soyez en train de parler de l'opposition ou de la majorité présidentielle. C'est pour dire que j'avais été à l'époque de Ossendé Afana et autres, que j'aurais choisi la modération, justement. Alors, que pouvait représenter la modération à ce moment-là? La capacité à faire des concessions, la capacité à être patient. Parce que je pense que c'est l'une des forces du président camerounais actuel. Il a un panafricanisme différent, qui est patient, qui est, je ne sais pas, lent à agir, mais efficace. Parce que voyez-vous, on reviendra sur la question de l'efficacité des panafricains. Permettez-moi de chuter. Rendez-vous compte que M. Ossendé Afana, eh bien, à un moment donné, il a réalisé la nécessité d'une formation militaire. Donc, c'est dire que peut-être y avait-il un peu la charrue avant les bœufs. Parce que la libération africaine, on peut se demander, est-ce qu'on devrait l'envisager, cette souveraineté qu'on recherche tant là, sans la dimension militaire? C'est la question qu'il faut se poser. C'est une question très intéressante et très pertinente. Je crois qu'on reviendrait là-dessus. Le temps de demander au professeur Mbelek. Alors, Ossendé Afana,
qui, le 24 janvier déjà, comprend qu'il faut rentrer, il faut sortir du Cameroun pour replier à la base de Wesso, recrute localement un... Parce que lors de l'attaque d'octobre... lors de l'attaque du 24, il avait perdu ses lunettes, donc il ne pouvait plus voir. Du coup, son camarade Wamba le servait de guide et le reste de la troupe essayait de protéger pour qu'ils retrouvent tranquillement leur base arrière. Mais ils étaient déjà du côté de Ndélélé et il fallait donc refaire le chemin retour. Malheureusement, sur le chemin du retour, après 3 ou 4 jours de marche, parce qu'ils sont le 19 février, et il commence à, après 2 semaines de marche, ça commence à peser, la dalle commence à peser. Ils repèrent ce qui leur a ressemblé être un campement de pygmées. Et ils pensent qu'ils vont donc faire une pause pour se refaire des forces. Malheureusement, ce qui est pris pour un campement de pygmées est une embuscade tendue par les troupes d'un certain adjudant Aman. Je ne voudrais pas qu'on confonde avec d'autres Aman, mais c'est un nom fort significatif au Cameroun. Alors, pour vous, pensez, le professeur, comme disait tout à l'heure, qu'il faut être un peu modéré. Est-ce que vous pensez qu'il y avait eu des erreurs stratégiques ou alors simplement, comme l'avait dit la DST, et comme après la réunion du Caire, les Américains avaient entrepris d'éliminer tous ceux qui avaient pensé unité africaine et gouvernement panafricain pour continuer la lutte. Pensez-vous que c'est de cela qu'il s'agit ou alors d'absence de stratégie efficiente pour continuer le combat? Bon. Je partage la chute du professeur Com lorsque il dit peut-être qu'on a mis la charrue avant les bœufs, hein, puisque la formation militaire n'est établie que n'est conçu qu'une fois sur le terrain et après avoir fait quelques expériences. Pour la discussion sur la modération, le fait d'être que ce soit un rebelle ou pas, bon, à mon niveau, ce n'est pas très significatif. Parce que ça veut dire quoi modérer, ça veut dire quoi extrémiste, par rapport à qui juge. Vous voyez, il faut voir les situations. Si vous êtes en situation d'urgence, vous faites les modérés, vous n'avez pas beaucoup de temps pour vous enfuir, hein, par exemple. Mais si vous faites peut-être les extrémistes, donc vous obligez tout le monde à partir, vous allez épargner tout le monde. Vous pouvez vous arranger pour sauver le maximum de vies. Donc modérer, ça dépend des circonstances. On peut être modéré dans la vie ordinaire et dans d'autres circonstances, être dans des conditions extrêmes qui fait qu'on a aussi un comportement extrême. Donc moi, Alors, pour le côté rebelle, je dirais que oui, le Cameroun étant déjà indépendant, au Sénat, on a été un rebelle, pas seulement lui. Tous ceux qui ont poursuivi la lutte après l'indépendance proclamée sont des rebelles par rapport à l'autorité, qu'elle soit coloniale ou pas, mais par rapport à l'autorité qui est présente, sont des rebelles. Et alors, les gens qui ont lutté pour l'indépendance aux États-Unis, les Lincoln, ce n'est pas des rebelles, c'est des rebelles. Et ils sont fiers d'être rebelles. Donc la rébellion n'est pas un mal en soi. Vous voyez. Alors maintenant, moi j'ai un... Et autre chose que je note, c'est que la vie du noir ne coûte pas cher. Que ce soit par rapport aux blancs de la CIA, c'est des blancs, hein, même s'il y avait quelques noirs là-bas, mais c'est sous des blancs, ou par rapport aux noirs comme les chefs d'État, comme Aïdjo par exemple, le sang du noir n'est rien. C'est pas normal ça. L'homme noir est à l'origine de l'humanité. Comment ça se fait que le sang de l'homme, la femme ou l'enfant noir est considéré comme rien par rapport aux autres hommes d'autres races? Pardon? Comme un simple sang de bétail. Oui, ça, c'est écrit dans le Talmud. Parce qu'en fait, j'en reviens, les gens, vous avez parlé de la CIA, par exemple, les gens qui gèrent la CIA, les gens qui gèrent le système américain, la Fed et tout ça, là, les gens qui gèrent la mondialisation, tout ce qui a lieu, ce sont des talmudistes. C'est-à-dire des gens qui croient dur comme fer que le Talmud, c'est l'absolue vérité. Il n'y a que le Talmud qui compte. Or, les Talmud, c'est des commentaires de rabbins. Et donc, c'est des humains. Mais eux, ils ne se prennent pas pour des humains comme les autres. Donc, et maintenant, le problème, c'est dans le Talmud. C'est pour ça, moi, j'utilise que le mot talmudiste. Mondialiste, tout ça, on peut dire tout l'illuminateur, on fait tout ce qu'on veut, mais moi, je suis Talmud. Parce que dans le Talmud, le noir, lorsque les autres humains sont considérés comme des hommes, sachant que le juif talmudiste, lui, il est de la race supérieure, peuple-lu, le noir est un demi-homme, un demi-singe. Lorsque les autres hommes, y compris les blancs, hein, sont considérés comme des animaux,
Chez les talmudistes, le noir devient bien meuble. Et ils l'ont écrit dans le code noir. Dans le code noir. Ça veut dire que le noir, c'est le marchepillé. Pour ces gens-là, le noir, c'est pas grand-chose. Vous voyez? Et il en vient donc à considérer que le sang noir ne vaut rien. Alors, donc, maintenant, je viens sur le sujet. Moi, je pense qu'il y a eu des erreurs stratégiques, mais je ne verrai pas ça comme de cette façon. Je verrai ça de la façon suivante. Nous sommes des Africains. Interrogeons-nous sur la base de notre culture. Qu'est-ce qui fonde la base et quelle est l'originalité de notre culture par rapport aux autres cultures? L'originalité, je vais répondre. Je pose la question, mais je réponds. C'est les mathématiques. Notre culture est basée sur les mathématiques. Et la seule qui est basée sur les mathématiques. Non seulement elle est basée sur les mathématiques, mais c'est la seule au monde. Les autres peuples, leur culture n'est pas basée sur les mathématiques. Souvent, regardez leur cosmogonie, elle est fantaisiste. Zeus, parfois on se demande si c'est un humain ou c'est quoi. Parce qu'il a un comportement d'humain, quoi. Mais ce n'est pas comme ça que non, qu'on soit la cosmogonie de l'Égypte antique, qui est la plus ancienne à tester. C'est pas la plus ancienne, mais la plus ancienne attestée, c'est-à-dire qu'on a encore les documents qu'on peut lire aujourd'hui. Elle est, pour reprendre un mot de Serge Sonneron, égyptologue français, elle est quasi-mathématique, il a osé dire. Voilà. Donc moi, je dirais qu'il nous faut une analyse mathématique de la situation, et c'est peut-être ça qui a manqué. C'est-à-dire que nous libérons notre territoire, nous libérons notre peuple, la domination étrangère, mais pour devenir quoi? Pour redevenir nous-mêmes, dans la continuité de nos ancêtres. Nous sommes les modernes par rapport aux anciens. Donc, pour cela, il faut qu'on renaisse aux traditions qui est mathématique. Première chose, comment ça se fait qu'il y a trois fronts? Bon, le littoral, c'était un peu psoriasique, je dirais, le littoral, parce que dans les années entre 60 et 70, le front littoral a hésité, mais il avait déjà subi beaucoup de coups fatals. Et c'est le front de l'Ouest et le front qu'on voulait ouvrir à l'Est. Comment ça se fait qu'il n'y a pas un commandement unique? Ce n'est pas seulement parce que le parti est unique, mais la lutte, c'est la seule unique lutte qui a cours. Comment ça se fait qu'il y a... Il faut envoyer des émissaires. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de... Je rejoins le professeur Combe. Ça n'a pas été planifié avant. Wandi était vivant, non hein? Oui, Wandi est bon, vivant. Bon, Moumi était déjà assassiné. Mais il y en avait d'autres qui... Wungli Masaga était même au sud. Wungli Masaga. Il était en train de mener aussi le front du sud. En réalité, lorsqu'ils se sont retrouvés en 58 d'abord... Justement, Ossendé Afana avait posé le problème du commandement unique. Mais vous savez qu'à l'intérieur du parti, peut-être le parti Assimo va revenir là-dessus, au niveau du comité révolutionnaire. Il y avait eu beaucoup. L'assemblée sur Maki avait même voulu suspendre Ossendé Afana. Donc il y avait ces divergences. Parce qu'on estimait que peut-être qu'il n'y aurait pas assez de moyens pour soutenir un autre front, alors qu'il y a le front du Sud et le front de l'Ouest à gérer. Mais il y avait aussi que les services français, parce que certains témoignages concourent encore là-dessus à établir que les services français avaient suffisamment infiltré déjà le mouvement. Parce que vous savez très bien que pour ce qui est par exemple de Ruben Oumyobé, la question ne se pose plus. Comment un secrétaire de police va se retrouver grand militant et au sommet du parti? C'est qu'ils avaient réussi des infiltrations à un niveau inimaginable, au point où certains infiltrés étaient même regardés comme des camarades de première heure, sans qu'on puisse très vite reconnaître ou bien les identifier comme des agents. Ça fait que certaines dissensions à l'intérieur étaient entretenues, donc téléguidées de loin. C'est peut-être ça qui a posé le problème du commandement unique. Mais il était en cours, parce qu'Ossendé Afana l'avait posé. Quand vous lisez les mémoires qu'il a faites et que le camarade Fosso a fait parvenir au comité révolutionnaire, il avait évalué la situation et indiqué même les causes de la faiblesse de son action. L'ignorance du terrain, la non-adhésion des populations locales qui étaient très peu scolarisées à l'époque et qui étaient facilement manipulables par le colon. Le contrôle des structures traditionnelles de la région. Vous savez que les colons nommaient déjà les chefs. Et ces chefs étaient enclins à vite soutenir ou à vite trahir dès qu'on leur mettait un peu de pression. C'est ça qui fait, par exemple, qu'à 2 jours de son assassinat, donc le 13, le guide qu'ils avaient pris, Pascal Otila, les abandonne. C'est ça qui fait qu'ils se perdent. Parce que face au coup qu'ils avaient subi le 24 janvier, ils avaient perdu celui qui leur servait les guides. Donc, ils ont été obligés de recruter localement un guide. Et ils lui ont donné pour instruction d'emprunter les chemins qui ne croisent pas la route coloniale ni les grands villages.
Malheureusement, il les a amenés presque au bord de la route. Et la veille, 2 jours après, il a disparu. Voyez un peu. Mais bon, maintenant, au-delà de ça, pour nous quand même, qui avons la chance, parce qu'on dit que le sang des martyrs sert, n'est-ce pas, à arroser la semence de la nouvelle génération. Le problème pour nous, c'est que nous avons ces héros. Les héros, dans notre perception, c'est des hommes divinisés. C'est comme on dit dans les religions coloniales, ce sont nos saints. C'est-à-dire, on s'imagine que si on rend vraiment gloire au saint Diaphana, son âme peut renforcer, y compris nous donner encore plus d'engouement pour les luttes que nous menons. Parce que ces luttes sont encore réelles, que ce soit la question de la défense africaine. Actuellement, avec les menaces de Boko Haram, les menaces des rebelles centrafricains, les menaces d'insurrection au Tchad, ainsi de suite, sans parler du Congo, qui est toujours secoué, ben, l'Afrique a besoin de se retrouver. Donc, moi, je peux dire que les problèmes qui se posaient après les indépendances en 60 se posent encore aujourd'hui. Nous sommes en pleine volonté de recolonisation. Comment on peut se servir? Moi, je vous pose la question parce que je voudrais que vous nous expliquiez l'apport de la mathématique à ce moment-là. Comment on peut se resservir des figures comme au Saint Diaphana pour dire à ceux qui disaient la modération du professeur comme tout à l'heure, on a vu dans ce pays des gens dire que non, il vaut peut-être accompagner d'abord le régime en place et quelques mois après, ces gens sont revenus nous dire que ce régime, vraiment, il faut le combattre. Vous comprenez? N'est-ce pas un déficit d'analyse mathématique de la situation politique? Oui. Je réponds à ça. Mais je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais je n'ai pas été au bout. Donc, si je peux le dire maintenant, c'est ce coût du sang africain. Voilà. Parce que quand je pose le coût du sang africain, au Saint Diaphana, au Wandié, ces gens qui ont été assassinés. Le Cameroun était déjà indépendant. Mais c'est important. C'est différent de Oumiyobé. Oui. À la rigueur, Moumié aussi. Tu vois? Mais lorsqu'on parle, parce que Moumié était en Suisse, à l'étranger, en Europe, mais lorsqu'on parle de Ousmane Diaphana et Wandié plus tard, c'est des assassinats opérés par des Camerounais. Qu'ils aient une aide étrangère ou pas, c'est le Cameroun, il y a déjà un État camerounais. Voilà. Donc, moi, je pose la question du poids du sang africain, du sang noir. Parce que le sang noir, là, on parle des guerres, beaucoup Haram, le terrorisme, tout ça, les stabilisations. Mais, et ceux qui meurent en Libye, bon, pendant que la Libye va faire sa réunification, nous sommes contents en tant qu'Africains. Oui, mais les Libyens, ils sont comportés comment par rapport à leurs frères noirs? Y compris même leurs frères noirs libyens et leurs frères noirs subsahariens. Ils sont comportés comment? Et comment on les traite en Afrique du Nord en général? Parce qu'ils veulent travailler dans la merde, donc ils méritent qu'on les traite comme les esclaves des chiens, qu'on les viole. Et quand on les estorque avec l'argent en faisant du chantage aux familles. Donc, quel est le coût du sang noir? C'est important. Donc, même si Ousmane Diaphana était dans son tort, même si Wandji était dans son tort, Oumiyobé était dans l'ordre. Non. Je laisse le Oumiyobé. Non, c'est un scénario, on comprend très bien. Je vais rester sûr. Non, parce que je vais rester dans notre d'abord. Qui nous implique? Ok? Donc, je vais rester après l'indépendance. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à Oumiyobé là-bas. Voilà. Pourquoi Idjo a besoin du sang d'Ousmane Diaphana? Aïdjo n'est pas un noir, c'est pas un Camerounais. Il est mort lui aussi. Mais pourquoi un noir a besoin de tuer un autre noir, même s'ils ne sont pas d'accord? Pourquoi? Moi, je pense que, avant même de parler de stratégie, c'est une question. C'est une question fondamentale. Oui, pourquoi le noir? Déjà, les autres, eux, ils font que le nôtre sang ne coûte pas cher pour eux. Mais pourquoi nous-mêmes? Même si ton frère a tort, pourquoi tu veux le tuer? Pourquoi? Parce que toi, tu es là aujourd'hui, tu joues ton rôle. Mais peut-être que demain, celui qui prend la relève, une fois que tu as fait ton travail. Et même, de toute façon, c'est la famille. Pourquoi les Noirs tuent les Noirs? Boko Haram, c'est les Noirs. Pourquoi ils tuent les Noirs? Pourquoi ils font une tuerie sur les Noirs? Pourquoi ils ne vont pas chercher les Blancs? Parce qu'on traduit... qui nous ont tués pendant 200 ans. Voilà. Et qui nous ont rendus esclaves. Pourquoi les Noirs tuent les Noirs? Je pousserai plus loin pour dire pourquoi les Africains, dont là, j'implique aussi les Nord-Africains, qu'on appelle avec euphémisme maghrébin, pourquoi ils tuent les Noirs? Qui sont leurs frères africains? Pourquoi? Parce qu'on est tous sur le même continent africain. Et quand on remonte aux origines, quelles que soient les origines étrangères des uns et des autres, je pense aux Nord-Africains, ils ont quand même une souche africaine. Ils ont quand même du sang africain, pour la plupart, dans leur sang. Pourquoi ils tuent les frères noirs? Pourquoi? Alors, en fait, nos luttes sont vaines dans ce cas-là. Et à ce moment-là, on ne touche jamais l'étranger. Je veux dire que même si on pensait très bien mathématiquement les choses, tant que le problème du prix du sang noir n'est pas réglé,
C'est ce que vous appelez la trahison. Quelqu'un trouvera tout avantage à trahir son frère parce qu'il estime que le frère là ne vaut même pas. Et alors, si je vous, puisque vous avez posé le problème, si je vous dis que généralement, quand vous posez un problème, c'est que vous avez une solution. Oui, pour vous, j'ai une solution. Quelle, voilà, c'est, quelle les mathématiques, pourrait... c'est les mathématiques. Mais avec un esprit mathématique, on fait les équilibres. On cherche à être un peu plus juste. Et on finit bien par comprendre que, compte tenu de la suite des événements, parce que ça entre dans l'équilibre, la stabilité et tout ça, là, ça ne vaut pas la peine de massacrer son frère. Qui paie ton recours demain? Voilà. Hein? C'est qu'actuellement, toi, tu es là, tu es le roi. Les colons t'utilisent. Mais demain, peut-être que ton frère, si tu l'épargnes, c'est lui qui va te servir de recours. C'est ça que je veux dire. Et au final, c'est la nation globalement qui a évolué. Et puis quand tu ne seras plus là, il pourra s'occuper de ta famille. Il pourra garantir le lendemain de ta famille. Bon, ça, ce n'est que des exemples. Hein. Mais je dis qu'il y a un grand déficit. D'ailleurs, le professeur Kouma parlait de Paul Biya. Moi, ce que je vois de Paul Biya, quand j'essaie d'analyser un peu, on ne peut pas dire que je suis un grand expert de Paul Biya, mais pour le peu que j'ai pu analyser de façon objective, je pense que Paul Biya est un peu mathématicien. Dans la vie, il applique les mathématiques. Parce que sinon, ce monsieur ne devrait même plus être au pouvoir à l'heure où on parle. Il aurait déjà été remplacé. Quand on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, regardez le Cameroun, on n'en a que deux présidents. Hein. Cette stabilité-là, il faut l'expliquer. Elle ne peut pas être due au hasard. Elle ne peut pas être due au simple fait que c'est de la bonne volonté du colon. Ce n'est pas vrai. Les colons de nos jours, la mode, c'est accélérer l'alternance pour mieux manipuler. Parce que les nouveaux venus n'ont pas l'expérience des anciens. Par exemple, pour bien nous bénéficions de son expérience. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, il a une expérience politique que les jeunes n'ont pas, qu'il vaudrait mieux qu'ils transmettent. Vous savez, l'Afrique a été colonisée comme ça. Elle a été colonisée parce que les officiers blancs étaient souvent âgés, contrairement aux chefs noirs qu'ils avaient en face d'eux, qui étaient jeunes. Or, la personne âgée a quand même une certaine expérience. Elle peut manipuler plus facilement le jeune. Donc, moi, je pense que Paul Biya nous donne l'exemple de quelqu'un qui a l'esprit mathématique. Et ce n'est pas pour autant qu'il manquera des critiques. Non, absolument pas. Bon, mais cet esprit mathématique est déjà positif en soi. Parce que l'écrit, moi, je peux dire, par exemple, que, bon, moi, chaque jour, on me coupe l'électricité 3 ou 4 fois dans la journée. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content. L'eau, c'est pareil. Je peux dire, il y a plein de choses à redire ici, les routes, tout ça. Même la canne, le chan, tout ça. Il y a plein de choses à dire. Mais l'essentiel, compte tenu des enjeux actuels, c'est cet esprit mathématique qui nous permet d'avancer. Y compris pour le CFA, si on peut y revenir, je dirais. Absolument, absolument. Je crois que le partage Simo. Patria Simon, mais avant d'embrayer sur le CFA, parce que là, j'ai vu que vous avez... Non, c'est pas pour le CFA. C'est pas... OK. Je voulais dire une chose. Moi, vous savez, ce qui m'embête un peu, c'est que l'ignorance de l'histoire africaine est un tard, et même des avatars. Parce qu'aujourd'hui, j'entends des choses inimaginables. Quand, par exemple, des gens disent sur un plateau que les Noirs ont tué les Noirs... Oui. Nous avons un téléspectateur de Berthois. Allô? Oui. Oui, bonsoir, Afrique Média. Bonsoir. Oui. Et bienvenue à la Renaissance africaine. Oui, j'ai pas vu, le modérateur. On connaît d'habitude. Excusez-moi, je suis un peu dans l'émotion de vous suivre. Vous êtes là dans la crème de l'existentialisme africain, de l'homme noir. Vraiment, c'est de ce genre de mission qu'on voudrait pour que l'éducation de masse camponnée soit vraiment régulière sur la chaîne média que nous aimons tant. Donc, vivement que ce soit répété, ce genre de mission. Répéter, la mère des sciences. Mathématiquement, professeur, chiffre, astrophysicien, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, je suis avec vous. Mathématiquement, répéter la mère des sciences. Donc, la crème de la mission que je n'ai jamais vue dans ma vie ce soir. Bonsoir, Fumidia, et merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, et continuez à nous suivre, continuez à sensibiliser, à inviter. Bon, mon nom, c'est le docteur Serge Simon Soho, mais je préfère que vous m'appeliez Soho Ndombo, parce que les étiquettes coloniales Serge Simon
je souhaiterais bien m'en passer, même si c'est mon père qui me les a légués. Voilà. Merci une fois de plus et adresser nos salutations à tous les téléspectateurs de la chaîne panafricaine du côté de Berthois. Oui, je disais tantôt que l'ignorance de l'histoire est une catastrophe pour le peuple africain. Parce que quand j'entends des gens sur le plateau dire que les Africains ont tué leurs frères, je vous rappelle qu'on va à l'indépendance. Aïd Oké arrive, ne sait même pas qui sera chef d'État parce qu'il n'était pas préparé. Ce que sont ceux qui constituent, qui mettent en place la constitution camerounaise, c'est deux Français qui constituent. C'est fort. Donc il faudrait qu'on fasse très attention quand on est sur un plateau, on dit des choses qui me font un peu mal aux oreilles. Je dis encore une fois, les Africains ne sont jamais, les Camerounais ne sont jamais constitués. Ils ne se sont jamais constitués. Si quelqu'un a une preuve qui me le montre. Et Aïd Oké arrive à chef d'État, il n'y a aucune armée, il n'y a aucune administration. Ce sont les Français qui commandent tout. Donc, même s'il y a les militaires tchadiens qui sont au Cameroun, ce ne sont pas les militaires français. Ce sont des anciens les anciens combattants de la France libre. Non, il faut qu'on fasse. La méconnaissance de l'histoire est un fléau, est un problème. Et de deux, quand on dit que les Africains tuent leurs frères, je voudrais rappeler que l'Afrique est à RC. L'esclavage a existé en Afrique pendant 400 ans. Après la colonisation, 200 ans. Et une pseudo-indépendance qui continue jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si on est indépendant. Alors avec ça, vous pensez que qui peut penser qu'il faut négocier et avec qui? Avec les Français ou avec Aïd Oké, qui est un support des Français? Moi, j'ai passé 10 ans d'exil en Algérie. Je ne peux pas me mettre les pieds dans le sous-préfet parce que pour moi, Aïd Oké, c'était pas un chef d'État, c'était un sous-préfet de la France. Alors, vous voulez que des nationalistes qui pensent à leur pays, qui pensent libérer leur pays, faut aller négocier avec les valets de l'impérialisme parce qu'ils ont besoin d'avoir leur petit part. Ils ne vont pas prendre les armes pour défendre leur continent. Je suis désolé. Mais peut-être, Patrice Simo, peut-être le docteur Mbélék voulait dire je que... Je ne parle pas du docteur Mbélék. C'est Camerounais. Non, ces Camerounais pouvaient quand même... Parce que pour le cas de Sendé Afana, il paraît que lorsque la DST française a eu le renseignement de sa position, il était question de le capturer et que cet adjudant-là, pour la gouverne de nos téléspectateurs, a fini colonel. Il s'apprêtait même à attendre qu'il soit nommé général, l'adjudant Amman. Il paraît que Aïd Oké l'avait appelé et lui avait dit qu'il ne veut pas de Sendé vivant à Yaoundé. Je voudrais vous rappeler, mon frère... Ça, c'est une anecdote, hein, on n'a pas encore... Non, ce n'est pas une anecdote, c'est la vérité. Je voudrais vous rappeler qu'une chose. Il faudrait que vous sachiez que le maquis, ça dit que les nationalistes camerounais étaient infiltrés au plus haut niveau. Ne l'oubliez jamais. Et je dis encore une fois, ils ont tout fait pour négocier avec les nationalistes qui ont été catégoriques. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, quand on lit l'histoire... C'est celui qui gagne la guerre qui écrit l'histoire. C'est l'histoire des vainqueurs. L'histoire des vainqueurs. Donc, même si les vaincus ont une grande victoire maintenant sur eux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on lit l'histoire du Cameroun sur le prisme du colon. On n'a aucune véritable histoire qui relate exactement ce qui s'est passé. Et quand on dit qu'il fallait aller négocier, on dit d'accord, on va négocier. Maï Matip est rentré dans le gouvernement de M. Aïd Oké. Orbelin est rentré dans le... Il y a encore un autre appelant qui nous sollicite de Marois. Bienvenue sur la Renaissance africaine. Monsieur Jean Bosco, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Jean Bosco. Oui, bonsoir, Afrique Média. Merci. Oui, je voulais apporter une précision par rapport à l'assassinat du docteur Sendé Afana. Oui, nous vous écoutons. Le docteur Sendé Afana avait été tué dans le village Ngilili. Le village Ngilili est situé à 17 km de Mouloudou. Comme le Camerounais ne pouvait pas le tuer, donc Koubaleko, il s'était servi d'un Tchadien, d'un militaire Tchadien, un guerrier Tchadien, qui portait des amulettes, ça et là. C'est lui qui avait réussi à tuer le docteur Sendé Afana. Et le village Ngilili, jusqu'à ce jour, a été maudit parce que depuis 1978, Madame Delphine Tchanga, qui était à l'époque ministre sous le président Aïd Oké, devrait construire à cet endroit une maison de la femme. Bon, jusqu'à ces jours, les parfums, les fondations qui avaient été faites en 1978, ils sont toujours. Donc, c'est un village qui avait été maudit à cause de la mort du docteur Sendé Afana. Voilà la précision que je voulais apporter.
Merci, très bien. Peut-être alors au Patriat Simo. Est-ce qu'il n'est pas temps, n'est-ce pas, que nous fassions les funérailles de ces gens-là? Vous venez d'apprendre qu'il y a un village qui est frappé de malédiction. Et nous avions visité il y a quelques années dans le Mungo certains espaces où on a assassiné beaucoup de nationalistes et où même les plantes ne poussent pas. Vous savez, mon frère, dans un pays normal, tant qu'on n'a pas fait le deuil, le funérailles des nationalistes qui ont versé leur sang pour libérer le pays, vous pouvez bavarder, il y a encore les restes des nationalistes à l'extérieur. Il y a les mumies, il y a plein de gens dont le reste sont à l'extérieur. Et on a dit que c'était des nations, on a reconnu qu'ils sont héros. Qu'ils sont des héros. Mais je me rends compte que c'est plutôt des zéros. Non, la loi dit qu'ils sont les héros. Oui, c'est la loi nationaux. Qui le dit. Mais quand on dit qu'ils sont des zéros, qu'est-ce qu'on fait pour les rendre héros? On les laisse à l'extérieur? Ça veut dire qu'on les considère comme des zéros. C'est un mensonge. Et je dénonce ici ce mensonge qui n'a servi à rien car je ne sais pas comment qualifier. C'est une honte que des gens qui ont lutté pour libérer ce continent, jusqu'aujourd'hui, leur corps soit à l'extérieur, on ne fait rien. Et la preuve, le corps d'Aïdjo qui a posé toutes ces autres, c'est aussi à l'extérieur. Donc, on a demandé que c'est une histoire de famille, il faut qu'on aille chercher son corps. Ah bon, et l'histoire des nationalistes qui sont à l'extérieur, c'est une histoire de famille aussi. Ne pensez-vous pas, peut-être je vais continuer avec vous avant d'aller vers le professeur Com. Alors, vous parlez simplement des funérailles, mais ne serait-ce que la déclassification. Monsieur Jean depuis Chicago, alors nous allons prendre... Ah, on nous signale qu'il y a quelques problèmes techniques, espérons qu'il va revenir. Alors, avant même de commencer à arriver aux funérailles, 65 ans après, ne peut-on pas dire la vérité aux Camerounais? Il y a quand même des acteurs qui ont joué dans cette faune-là et qui sont au soir de leur vie. Quand même, nous on nous dit en Afrique que les vieillards n'ont plus honte de la vérité. Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, on fasse table rase après avoir élevé les gens au rang de héros nationaux? Je vais vous dire une chose. Vous savez, il y a même la honte qui pose problème à ces gens qui ont commis des actions contre leurs frères. Parce qu'après les indépendances, il y a des gens qui étaient que des simples capitaines qui sont devenus des généraux au soir de leur vie. Des soldats de première classe. Voilà, au soir de leur vie. Mais aujourd'hui, ils n'ont jamais restitué l'histoire. Au contraire, ils sont vantés à un certain moment que ce sont eux qui ont fait telle ou telle chose sur les nationalistes, mais on ne fait rien pour les juger. Or, c'est des gens à juger parce que les gens qui sont levés pour revendiquer une véritable indépendance, une véritable libération de l'Afrique, on ne devrait pas les passer par perte et profit. Et ça me fait très très mal de voir que 60 ans après, rien n'est fait pour revaloriser ces zéros qui ont donné leur vie et leur sang pour libérer ce pays. Aujourd'hui, on continue la bataille. Quand on dit que des gens se sont battus, il ne fallait pas tuer les nationalistes parce qu'il fallait négocier. 60 ans après, le franc CFA reste toujours colonial. L'histoire, l'éducation reste coloniale. Qu'est-ce qu'on a changé? Qu'est-ce qu'on a changé, bon sens? Qu'on me dise, qu'est-ce qui a changé depuis les indépendances? Les gens qui ont lutté pour une véritable... Ceux qui mettent les vestes sont changés. Parce qu'à l'époque, ils étaient blancs avec d'accord. Les casques. Bon, donc, je voudrais vous dire, mon cher, absolument rien n'a changé. Les revendications des nationalistes restent valables jusqu'aujourd'hui. Parce que rien n'a été fait jusqu'aujourd'hui. L'école est restée coloniale, la monnaie est restée coloniale, les Français sont là pour manipuler, ils font ce qu'ils veulent en Afrique comme ils veulent et quand ils veulent. Donc, on ne peut pas prétendre qu'il fallait que les nationalistes aillent négocier avec des gens qui avaient pour mission de les écraser et imposer qui ils veulent. Alors, professeur Com, vous qui parliez d'être modéré, comment se fait-il que 65 ans après, on ait encore une chape de plomb qui pèse sur tous les documents relatifs à l'assassinat de l'un des esprits les plus brillants que l'Afrique ait jamais produit, le docteur Castor Ossendé Afana? Merci une fois de plus, docteur Sohon Dombol. Alors, une chose qui manque souvent à l'intellectuel, c'est de comprendre que, en politique, c'est la mafia. La politique a des règles comme elle n'en a pas. En politique, on a souvent comme cahier des charges, on vous dit, tu es nous tel et on vous nommera ministre. On vous dit, qu'est-ce que vous réservez à la France si vous serez président de la République? Vous donnez vos impressions, vos objectifs, on juge sur cette base, on fait de vous le président de la France. Donc,
Il y a des recommandations et des instructions. Il y a une mafia qui fonctionne en politique. Alors, si on était allé réveiller les résultats d'enquête sur la mort de Sende Afana, si on s'en va en parler, c'est mobiliser l'esprit nationaliste. L'esprit panafricain. L'esprit qui contrarie l'esprit impérialiste. L'impérialisme n'en veut pas. Voilà la réponse que je peux donner à votre question. Donc, il s'agit de pérenniser le colonialisme, l'aliénation. C'est un combat, c'est un affrontement permanent entre le panafricanisme et l'impérialisme. Alors, tout à l'heure, on s'est demandé qu'est-ce qui a changé. En fait, les données ont changé. Je crois en une révolution. Lamine, professeur, comme nous avons un invité qui voudrait intervenir, monsieur Lamine, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, monsieur Simondé. Parce que moi, je viens de découvrir cette émission-là, parce que j'ai reçu une petite notification tout à l'heure. Et l'émission est toujours, cette émission, c'est une bonne chose de mettre en place ce type d'émission-là, en tout cas, ce type de fenêtre-là, parce qu'il y a plusieurs émissions sur Afrique Média, mais celle-ci, elle est excellente, parce qu'elle est dans la continuité du combat qu'on mène au quotidien tous les jours. C'est vrai que M. Simon, vous avez dit quelque chose qui est incroyable, hein. C'est vrai, on ne nous respecte pas. Et c'est pour ça qu'en fait, votre collègue, parce que je n'ai pas bien saisi son prénom, il a aussi soutenu et développer d'une manière beaucoup plus claire aussi ce que vous avez voulu évoquer. Et le problème, c'est que la France cherche à doper et cherche un petit peu, quelque part, à discréditer le nationalisme et le patriotisme en Afrique. Vous regardez, en fait, ce qui se passe. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai dit tout à l'heure, j'en parlais dans l'émission de Linda Ndedi, qu'il faut qu'on soit incisif. Pourquoi la France, aujourd'hui, quand vous regardez bien pourquoi la France reconnaît sa responsabilité sur la mort de l'avocat activiste algérien Ali Boumediene. Ali Boumediene, la France a reconnu sa responsabilité. Et 3 mois de cela en arrière, il y en avait aussi des têtes de nationalistes algériens que la France a rendu au peuple algérien. Nous, avec tous les assassinats que la France a menés sur l'Afrique noire, la France s'en fiche, la France ne reconnaît rien du tout. Et sur place, la population civile n'est pas du tout incisive à vouloir réclamer cela envers la France. Parce qu'il faut dire que dans nos pays de l'Afrique noire, il y a quand même une forte présence française. En Afrique noire, il me semble que c'est le Sénégal qui détient la première communauté française. Il y a la Côte d'Ivoire, il y a aussi le Cameroun. On ne nous respecte pas, et tant que la France, tant que nous n'allons pas dans ce sens-là, à réclamer cette responsabilité, à réclamer cette réciprocité envers la France, on nous piétinera tout le temps et tous les jours. Le problème là, il est clair, parce que j'aime bien faire la comparaison entre l'Algérie et l'Afrique noire. L'Algérie a été occupée par la France, et aujourd'hui la France est en train de reconnaître sa responsabilité dans cette guerre qui n'a pas de nom, on appelle ça une guerre sans nom, la guerre d'Algérie entre les Algériens et la France, pour que la France puisse quitter l'Algérie. Nous, aujourd'hui, tous nos nationalistes, que ce soit Olympio, que ce soit... regardez, en fait, l'incroyable homme d'État camerounais qui a été tué ici, à Genève. Comment il s'appelle Félix Roland Moumier. Il a été tué au Puy Théniot par le service secret français. On est en 2021. Est-ce que la France reconnaît sa responsabilité là-dessus? Est-ce que la France reconnaît sa responsabilité là-dessus? Est-ce que la population camerounaise aujourd'hui fait un geste envers la France pour que la France puisse reconnaître sa responsabilité? Je vois rien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a raison, M. Simon, on peut continuer à palabrer, mais tant que nous n'allons pas vers cette ligne rouge, que nous n'allons pas vers cet affrontement-là, nous allons continuer à parler dans le vent. Je m'arrête là et je continue à regarder l'émission, parce que ça semble être une émission qui est très, très, merci, très, très merci, monsieur consistante. Lamine. Merci. Nous avons monsieur Jean depuis Chicago. Allô, bonsoir. Vous êtes sur Afrique Média, la Renaissance africaine en marche. Monsieur docteur, et puis je salue les autres, Simo et Melek, et le troisième. Et nous saluons aussi les techniciens. Merci d'avoir ramené
émission La Renaissance africaine, comme l'avait réclamé The Face depuis Montréal. Merci, merci. Et vous avez écouté nos doléances, c'est très important. D'abord, dans tout de jeu, je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes, de tous les panafricanistes qui avaient versé leur sang pour la libération du peuple noir, du peuple africain. Je m'incline. Nous devons répéter les noms et effectivement les citer au début de chaque émission pour les noms de ceux-là, ces Africains-là, qui avaient et qui s'étaient révoltés contre l'occupation des impérialistes et qu'on avait tués. Nous devons les connaître et les citer au début de chaque émission pour raviver leur mémoire, parce que la lutte continue toujours jusqu'à la libération totale de l'Afrique. Aujourd'hui, les données ont changé. Nous devons être vraiment heureux. Nous, qui sommes dans cette lutte aujourd'hui, nous devons être heureux à la mesure où nous avons plus de voix. Vous voyez, moi, je suis en Amérique du Nord, j'appelle. Partout sur la terre, les gens peuvent appeler et dire. Et puis, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. C'est très important. C'est très important pour la lutte. Avant, il n'y avait pas cela. On les muselait, on les tuait. Et aussi, une donnée aussi a changé. Et avant, la France le promettait à cette traite-là de bonne vie à Paris. Ils auront leur maison, leurs enfants vont étudier à Paris. Et puis, c'est aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, le maître de l'univers ne peut plus promettre cela. Même s'il y a des imbéciles, vous m'excusez le thème, ils vont croire que ce que la France leur dit aujourd'hui, c'est vrai, c'est faux. La vie ne commence pas à être complètement différente à l'Occident comme avant. Là où on est sauvé aujourd'hui, là où on voit la vie, on voit que la vie est vraiment sauvée, c'est en Afrique aujourd'hui. Lorsque quelqu'un se permet encore d'aller à Paris, dire que c'est ce qu'on m'a promis, puis Paris, cette ville, tant pis. Alors, quand j'étais venu ici, dans ce pays, en Amérique ici, il y a un blanc américain qui me demandait d'où je venais, donc on causait, il me dit, mais vraiment, si l'Afrique avait réussi cette unité, aujourd'hui l'Afrique serait un pays plus puissant que l'Amérique. Il dit, mais comment tu fais pour connaître ça? Je dis, oui, ils le savent. C'est un vieux, il est un peu vieux. Ouais, vous voyez, ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils ont causé en Afrique. En tuant ces panafricanistes, aujourd'hui c'est les traîtres. On ne veut pas citer les noms qui sont là, ils sont manipulés. Nous devons les pardonner et être forts dans cette lutte et avancer, sensibiliser nos frères et sœurs. Informons-les. La lutte. Nous allons finir par la victoire. Et la victoire est la nôtre aujourd'hui. Approprions-la. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci, M. Jean. Que Dieu nous bénisse. Que les ancêtres veillent sur nous, professeur Mbelek. À quand un combat pour la reconnaissance de la responsabilité de la France sur les assassinats, par exemple, d'Ossendé Afana, de Moumié, parce qu'on sait, je vous disais tantôt que le camarade Ungli Massaga, le commandant qui s'en banait, parlait de main morte dans son témoignage. Et je peux vous assurer que l'épouse d'Ossendé Afana elle-même avait été convaincue de ce que son camarade Henri Hourbenlin serait peut-être un agent double. Alors, à quand la bataille pour que les vraies responsabilités et les vrais responsables répondent devant le tribunal des Africains? Bon. Henri Hourbenlin, moi, j'ai un souvenir de lui avoir écrit une lettre, il ne m'a pas répondu. J'étais encore étudiant, nous avions une association qu'on appelait l'Institut Chabaka, pour la recherche scientifique, c'était une association d'étudiants africains. On avait voulu faire une première manifestation publique, donc au moins une réponse, je n'ai pas eu. Bon, ça c'est ma tentative de contact direct
Il ne faut pas sourire comme ça parce que, à l'époque, moi je situe un peu les événements en ce qui me concerne. À l'époque, on avait de l'admiration pour le mathématicien, parce qu'on ne fait pas la confusion. Celui qui a inventé la bornologie, on le découvrait à travers les aînés. Parce que moi, je me suis très tôt intéressé au fondement des mathématiques grâce à ces aînés. Je vais citer quelques noms ici, ils se reconnaîtront, à savoir Mbokaki et ses Congolais. Et puis David Johnson, lui, il est Togolais. Ça, ce sont deux personnes qui, là-bas en France, quand j'étais étudiant, m'ont mis les pieds pour avoir de l'intérêt sur les fondements des mathématiques. Bien sûr, j'ai écouté, j'ai continué. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on avait de l'admiration. Et j'ai appris, donc, Rogobendine, ses travaux sur la bornologie par ces gens-là. Allez, après, bien sûr, je me suis informé, moi et mon âme, dans les bibliothèques. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quoi? Rogobendine se retrouve, lui, comme... celui qui gère la chaire de mathématiques à Bordeaux. Et il est encore vivant, si je ne me trompe pas. Oui, il est encore vivant. Mieux, il se retrouve comme président de l'UPC, ici, après Ndé Toumaza, je crois. Ah, secrétaire général, il se considérait comme l'un des secrétaires généraux. Bon. Avec oui, en fait, c'est le secrétaire général, c'est le poste le plus important de l'UPC. Et ensuite, candidat à la présidence de la République. Oui. Et finalement, il sera lié à l'UNDP. C'est une trajectoire tordue. Et après, il entre au gouvernement comme ministre. Il rentre au gouvernement, c'est une trajectoire tordue. Et on voit que côté français, alors que c'est censé être l'ennemi, lui, il a quand même évolué la place sur le plan intellectuel, sur le plan des mathématiques. Il a eu des élèves. Et, je dirais, à ma connaissance, je peux me tromper. J'attends qu'on me dise le contraire, je serais très ravi pour ça. Il n'a formé aucun Africain. Parce que, à ma connaissance, tous ces élèves qu'il a eus, même la chaire de bornologie, ce n'est pas un Africain qui l'a. C'est un Français qui gère la chaire de bornologie à Bordeaux. Il n'a formé, à ma connaissance, aucun Africain. Alors qu'il était membre de la Société franc-africaine de mathématiques. Merci. Qui lui m'a créé. Il est un des membres fondateurs. Donc, il faut noter tout ça. Pourquoi? Parce que, regardez, je prends les exemples d'un Russe, par exemple, qui aurait une chaire, je donne au hasard comme ça, au Canada. Il y a des chances que, après ce Russe-là, le successeur soit encore un Russe. Parce qu'il attire les gens, ses frères, lui, et il les a à côté de lui, et il les forme. Comme ils sont parmi les mieux formés, c'est normal qu'ils prennent la succession de la chaire. Donc le fait que Hogbe, d'abord, la chaire, c'est pas parce que c'est en France que la chaire revient à des Français. Non, la chaire revient à un Français parce qu'il n'a formé que des Français, n'a pas formé d'Africains qui pourraient prendre la succession. Parce que ça aurait été là un acquis pour nous, une conquête, là-bas en France. Hein? Il a eu une chaire et nous continuons à posséder cette chaire, même si c'est en France. Parce que ça se fait ailleurs dans le monde. Bon, donc ça, c'est pour le cas de Hogbendine. Je pense que, avant même d'aller dans les détails politiques, sa trajectoire, déjà, n'est pas claire. Elle pose problème. Il n'est pas mort. Il peut encore se justifier. On l'avait d'ailleurs sollicité une fois à Canal 2. Bon, il peut encore se justifier. Il a fait comme le feu Théodore Mahi Matip. Bon, il peut encore se justifier en attendant que les archives parlent de façon pour tout le monde, je dirais. Alors, autre chose. Lorsqu'on veut demander, comme par exemple on a eu le cas de l'Algérien, effectivement, c'est vrai, j'étais aussi informé de ça. Lorsqu'on veut demander des comptes à la France, moi j'ai deux questions. Première question, il n'y a pas de compte à demander. Vous demandez quel compte, vous êtes faible. Il faut être libre, être en position de force. C'est ainsi que l'Algérie peut exiger quoi que ce soit. Quand tu es en position de force, dès qu'il exige l'autre, il commence déjà à calculer son intérêt, il voit qu'il a intérêt à te donner ce que tu veux. Surtout qu'il s'agit d'éclairer l'histoire. Lui, il veut bien que vous évoluez ensemble. Donc, il trouvera. Ça, c'est parce qu'il va faire un raisonnement mathématique, qu'il a plutôt intérêt à céder sur ce point-là pour gagner, garder l'avantage économique, politique et tout, et diplomatique et tout le reste. Mais nous, on n'est pas en position de force. On est cantonné. Il ne regarde pas ça. Vous voyez? Et puis, nos autorités, je n'ai pas l'impression. Moi, j'ai dû du bien tout à l'heure. La vision mathématique présente Paul Biya, mais le gouvernement camerounais n'est pas fait que de Paul Biya. Est-ce que le gouvernement camerounais, quel qu'il soit, qui que soit Premier ministre ou chef de cabinet de la présidence, est-ce qu'ils ont même montré qu'ils avaient une certaine velléité à demander quoi que ce soit à la France? Déjà, hein. Bon, je crois que ça se comprend. C'est le problème de rapport de force. Je passe. L'autre chose, c'est pourquoi demander dans la mesure où la personne à qui vous allez demander est un crétois.
Donc je rappelle qu'il y a deux types de menteurs. Il y a les béotiens qui mentent par ignorance. Et les crétois qui mentent de mauvaise foi. Le colon français, en l'occurrence, le néo-colon français d'aujourd'hui, ils sont de mauvaise foi. Qu'est-ce qu'on peut traiter avec quelqu'un qui a de mauvaise foi et qui ment? On sait qu'il ment. Dès que ça nous concerne, il ment. La gauche et la droite se rejoignent, déjà chez Contadium. Il ment. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander à ces gens-là? Donc, sortons de cette situation où on tourne en rond. Il faut notre libération totale. Et ça, si c'est nécessaire... Any means necessary, disait Malcolm X. Si c'est nécessaire, ce n'est pas les armes. C'est ça que Castor Ossenda Fana a fait à la suite du front de l'Ouest et de celui du littoral. C'est ça qu'il a fait. Ça n'a pas abouti au succès. L'analyse dira pourquoi. Et ça me paraît... Je pense qu'on peut rendre ça clair. Mais nous avons l'obligation aujourd'hui, en 2021, 55 ans après le décès d'Ossenda Fana, c'est 55 ans après. Sur 55. Il est mort en 1966. Assassiné en 1966. Nous avons l'obligation morale de terminer ce combat de libération totale du Cameroun et à travers le Cameroun, parce que nous sommes au Cameroun, nous, voilà. Mais à travers le Cameroun, c'est l'Afrique, en fait. Par exemple, actuellement, il se passe des choses au Sénégal, ouais. En Centrafrique, dans beaucoup de pays africains, il y a des remous. Dans presque tous les pays. Bon, dans presque tous les pays. Donc, nous avons l'obligation, et le Mali, j'ai oublié, nous avons l'obligation morale, et d'autres, nous avons l'obligation morale de vaincre définitivement le colon et le néocolon, et les endocolons, parce qu'ils ont leurs alliés maintenant. Et par tous les moyens nécessaires. Mais moi, je dis que le prix de notre sang existe. Notre sang ne vaut pas zéro. C'est ce que je rajoute. Mais nous avons l'obligation de vaincre le colon, de libérer totalement notre continent. Parce que c'est en étant libre que beaucoup de choses où on tourne en rond n'auront plus de sens et qu'on pourra mettre de la lumière là où il y a l'obscurité. Et Patriarche Simo, est-ce que l'une des armes de cette libération n'est pas commencée par un procès pour contre les assassins de tous ceux qui ont éliminé nos héros nationaux? Et puis après, peut-être, pourquoi ne pas leur faire un panthéon? Vous vous imaginez que dans cette république, les gouvernants ne prononcent jamais les noms de ceux qu'ils ont élevés au rang de héros national, hein? Je vais commencer par vous et peut-être ça serait le mot de fin. Donc, allez-y. Là, nous avons une première question. Oui, nous avons une première question. Est-ce que la victoire finale ne commence pas par, n'est-ce pas, cette réappropriation et cette réhabilitation forcée par l'établissement des responsabilités? Monsieur Sondre, vous devez savoir que sur ce plateau, je le dis régulièrement, il faudrait que les juristes africains apprennent à se constituer, à se mettre ensemble pour porter plainte contre les abus du colon qui a passé tout son temps à assassiner, à piller, à violer, à voler les pays africains. Parce que c'est même un moyen de pression qui peut leur faire prendre conscience. Le professeur Melek a dit quelque chose tantôt. Il faisait la comparaison entre l'Algérie et le Cameroun par rapport à la lutte de libération où les Algériens ont une pression. Je voudrais dire au professeur Mbelek qu'en Afrique, quand ils sont venus chez les Noirs, ils ont réussi à imposer plein de religions. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans les pays presque dites un peu arabes, où ils ont une langue de communication. Or, au Cameroun, c'est la langue française. Ils ont réussi à infiltrer tous les pays du précaré français. Dans chaque pays du précaré français, ils ont mis une base militaire. Ce qui fait que les révolutionnaires africains, les nationalistes africains qui prennent les armes pour lutter contre le colon, ils ne peuvent pas avoir un retrait vers un pays étranger parce qu'il y a une base militaire et celui qui est à la tête de cet État, c'est un pion du précaré français. C'est un préfet français. C'est un préfet français. Donc il y a tous ces paramètres qu'il ne faut pas oublier. Nous l'oublions jamais. Parce que quand on veut faire des comparaisons du genre l'Algérie, le Cameroun, je dis ce n'est pas possible. C'est d'ailleurs les seuls deux pays au monde, en Afrique, qui ont pris des armes pour lutter pour leur indépendance. Malheureusement, le Cameroun était très bien parti pour arracher son indépendance. Malheureusement, cette division spirituelle, linguistique et tout, l'ont bloqué avec, autour du Cameroun, des pays qui sont pilotés par des préfets et des sous-préfets de la France. Au Gabon, il y avait Bongo. Vous pensiez que
avec une base militaire française, au Tchad, avec ton balbaï. Non, il faudrait qu'on se dise des vérités. Parce que c'est, il s'agit de la Renaissance. La Renaissance, je voudrais qu'on restitue l'histoire réelle de ce qui s'est passé pour que les nationalistes n'arrivent au pouvoir. Parce qu'ils ont été manipulés. On voit un monsieur Orbelin, jusqu'aujourd'hui il est en France, un monsieur qui s'est dit panafricaniste, UPCiste. Je dis, c'est pas possible. C'est vrai, vous me direz que beaucoup de d'UPCistes ont peut-être vécu... Peut-être qu'il faut s'interroger sur sa nationalité aussi. Hein? Non, je ne veux pas rentrer là-dedans, ça c'est un détail. Je voudrais dire que, un vrai, moi par exemple, j'ai passé 10 ans en Algérie. Je peux vous dire que c'est le monsieur qui m'a entretenu, c'était presque dans l'ambassade du Cameroun en Algérie. Un monsieur qui s'appelait le commissaire Mbami, un Bassa, qui était à l'ambassade, premier secrétaire de l'ambassade du Cameroun. Il savait que j'étais un UPCiste. Mais connaissant l'histoire réelle de l'UPC, ce monsieur m'a pris sous sa coupe. Il me protégeait en Algérie. C'est vous dire qu'il y avait des gens qui étaient au sein du gouvernement à Idjo, mais qui étaient des nationalistes convaincus. Je vous dis, c'est ce monsieur qui m'a entretenu en Algérie pendant des années. C'est vous dire que dans tout ce qu'on raconte aujourd'hui, il faudrait restituer la vérité. Parce que j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas la véritable histoire de ce pays sur le plan du nationalisme et on est en train de galvauder, dire des trucs qui ne cadrent pas la réalité. Il est temps que les juristes, pour vous retrouver... Pour la responsabilité de la France. Peut-être voilà. Une plainte contre la France. Absolument. Pour Moumier au sein des... Pas seulement pour ça. Pour tous les abus, parce que le pillage du sol, du sous-sol, c'est l'œuvre des Français. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, il en comporte plainte contre les abus de la France en Afrique. Pas seulement au Cameroun, dans toute l'Afrique, pour leur mettre une pression. Parce que ça commence au Tchad, là, au Sénégal. Il faudrait que les gens se constituent comme juristes et portent plainte contre la France pour tous ces abus et qu'ils payent les tribus pour ça. Ces nationalistes qui ont été tués, il faut que la France paye. Parce que c'est sous son ordre qu'on a tué ces nationalistes. On a beau dire, Bechel a tué... Moumier. Vous avez un appelant depuis le Canada, M. Zéphar. Bonsoir, bienvenue sur la chaîne panafricaine. Merci, bonsoir à tous les panélistes. Et je suis très content, en tout cas, que l'émission soit revenue. En tout cas, pas juste moi, tous les Africains. Nous sommes contents de nos panélistes. Nous n'allons pas les citer. J'aimerais juste, hein, puisqu'apparemment on tire déjà vers la fin, oui. J'ai été content de voir que l'émission est revenue, mais nous on a l'expression ici, non, j'étais encore dans la plantation du loco. Il faut bien qu'on fasse des choses de nos journées. Donc je voulais juste dire merci et demander au Père Simon de rappeler aux Africains, et pas, en tout cas pas ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, parce que nous entrevoyons et nous avons une petite idée de comment qu'ils ne gèrent pas bien, on va dire comme ça, pour rester poli quand même avec eux, et que le Père Simon rappelle aux Africains de demain, parce que ceux qui sont actuellement aux affaires, bon, nous ne comptons plus sur eux, nous devons compter sur ceux qui vont venir dans les prochaines années. Et que Père Simon leur rappelle que pour ceux-là qui vont venir, nous irons dans nos villages pour faire les prestations de serment. C'est vrai que quand on en parle, nos politiciens glissent comme le gombo sur cette question-là. Et pourtant, ils sont en train de faire politique. Donc, ils refusent le fait qu'on puisse dire qu'ils vont prêter serment sur le caddie dans nos villages. Père Simon, en tout cas, je parle du Père Simon, mais même le Père... En tout cas, vous tous, nos pères sur le plateau, vous savez de quoi je parle. Rappelez cela aux Africains, parce que la génération qui est en train de passer, là, elle va passer et nous, on en aura fini avec. Mais la prochaine qui va venir, ceux qui iront aux affaires n'iront pas aux affaires pour eux, mais iront aux affaires pour le peuple. Et pour nous montrer qu'ils iront aux affaires pour le peuple, ils ne mettront pas leurs mains sur ce livre-là qu'on appelle Bible, mais ils mettront leurs mains sur la calebasse et ils prêteront serment sur cette calebasse-là avec le caddie. Père Simon, faites ce rappel-là aux jeunes. Les vieux, nous ne comptons plus sur eux, ceux qui sont au pouvoir actuellement, sans être péjoratif, mais rappelons-leur juste que s'ils ne peuvent pas faire ça, et si quelqu'un pense qu'il ne peut pas faire ça, qu'ils quittent et puis que d'autres prennent la place. En tout cas, merci à Free Media d'exister pour nous. Merci. Alors, Père Simon, nous étions avec vous. Vous voyez, vos enfants commencent à vous demander de restructurer l'Afrique. Et je vais donc... vous dire, nous allons faire un dernier tour de table. Comme on était avec vous, on va finir avec vous d'abord, avant de passer aux autres. Alors, on a voulu insister, n'est-ce pas, aussi sur la question, puisqu'il faut vraiment que nous fassions les funérailles. Pourquoi ne pas faire un panthéon pour
les héros comme le docteur Castor Hossein Diafana. Ils sont où? On n'a pas de lieu de pèlerinage. Je voudrais dire, monsieur Sonnambol, il faut savoir que on ne peut pas parler de quelque chose qui n'existe pas. Il faut d'abord que les Africains, les Camerounais se constituent comme un État. Le Cameroun n'est pas un État. C'est les Blancs qui ont mis en place une constitution qui ne cadre pas avec nos réalités. Quand on l'aura fait maintenant, on va revoir l'histoire réelle de notre pays et restituer l'histoire et mettre en place les symboles réels historiques de notre pays. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas sortir de nulle part et dire que vous allez... On ne constitue pas un pays. On est... Je ne sais pas ce qu'on est. On n'est pas encore un État. Je suis désolé. On peut dire tout ce qu'on veut. Votre porte-monnaie est entre les mains de quelqu'un. C'est les autres qui décident pour vous. Parce que quand on dit démocratie, c'est le gouvernement du peuple par le peuple. Mais j'ai l'impression que c'est le gouvernement du peuple par les autres. Oui, Patriarche Simo, merci, n'est-ce pas? Nous allons encore prendre un appelant avant de passer au professeur Combe. Depuis BEA, nous avons M. Nana, c'est ça? Bonsoir. Bonsoir, M. Nana. Vous êtes sur la chaîne panafricaine. L'heure de la Renaissance a sonné. Merci beaucoup. Je voulais d'abord dire bonsoir à tous les panélistes. Quoi. Et je voulais remercier infiniment Afrique Média d'avoir ramené cette émission de Renaissance africaine. Parce que cette émission, elle est vraiment indispensable pour le réveil panafricain, pour le réveil kamik. Parce que nous n'avons pas choix. La prise de conscience passera par l'éducation à la résistance africaine, le rappel de notre histoire. Parce que beaucoup d'Africains sont ignorants de l'histoire. Il faut que la jeunesse prenne conscience de son histoire, de l'histoire kamique, de l'histoire africaine. C'est après avoir pris conscience de cette histoire-là que la jeunesse pourra se repositionner dans ce contexte et développer cet esprit révolutionnaire dont nous avons besoin pour changer l'Afrique. Nous ne pouvons pas continuer à fonctionner comme ça. Voilà. Nous sommes assaillis par les religions étrangères, les religions fabriquées par l'homme, qui n'ont rien à voir avec l'essence même de la vie, l'essence même de l'humanité. Nous sommes assaillis par les cultures étrangères. Nous sommes assaillis par les langues étrangères. Il peut absolument se retourner aussi. Il peut absolument se retourner à nos valeurs. Il peut absolument se retourner à nos traditions pour pouvoir retrouver le chemin et de conquérir notre indépendance économique, notre indépendance politique, notre indépendance sociale, notre indépendance culturelle. C'est vraiment indispensable. Je remercie à tous les médias de nous avoir amené cette émission et bonne soirée à tous. Merci M. Nana de Pubéa. Alors, apparemment, vous avez beaucoup de sollicitations. Chaque fois que vous voulez conclure, un de vos enfants vous appelle pour dire que la Renaissance est un besoin impérieux aujourd'hui. Il évoque les religions. Est-ce que le peuple pour lequel Hossein Diafana est mort n'a-t-il pas été aussi, n'est-ce pas, n'a pas subi un lavage de cerveau? Parce que quand on regarde maintenant au Cameroun, les églises sont plus belles que les écoles et les hôpitaux. Monsieur Sonnambol, il faudrait qu'on sache que la vraie division de l'Afrique part des religions. Parce que quand vous voyez dans nos quartiers, il y a plus d'églises que les écoles. Et je me pose des questions. Quand les gens passent tout le temps, je prends un cas, vous avez une maison, vous plantez un arbre. Le voisin plante son arbre. Vous aurez versé de l'eau sur l'arbre du voisin ou bien sur votre arbre pour produire les fruits. Bon, chacun a la réponse. Bon, alors, c'est ça le problème. Parce que quand les gens, des Africains, disent Jésus, Mohamed, ce sont vos racines. Parce que chaque arbre a une racine. Les Africains, leur racine, c'est là où ils sont nés. C'est votre ancestralité. Je ne sais pas si en rentrant dans cette bataille où on invoque les dieux des autres, les apôtres des autres, on cadre avec la réalité africaine. C'est de là que part tout le problème. Parce que vous verrez des gens dans les quartiers créer des divisions entre les Africains, créer des guerres entre les Africains à cause de la religion. Tant qu'on n'a pas compris ce message. Et je vous dis, voilà mon troisième livre, mon deuxième livre qui parle de l'Afrique face aux mensonges occidentaux et orientaux en matière de croyance divine. Je crois qu'on prendra le temps, n'est-ce pas? Voilà, c'est vous dire sortie. C'est vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être faites pour sortir l'Afrique de l'esclavage spirituel dans les colonies à plonger. Tant qu'on n'est pas sorti de là, avec la colonisation, ça va être hyper compliqué.
Parce que la bataille politique a aussi besoin de cette bataille religieuse. Tout à fait, n'oublions tout à fait, pas. Spirituelle. Aujourd'hui, on dit que toute l'élite politique africaine est enfermée dans les sectes mystico-religieux qu'on essaie. Alors, professeur, comme nous sommes en train de conclure notre Renaissance africaine pour ce soir, et le problème s'est posé. Qu'est-ce qui peut nous servir de levier? Qu'est-ce qui peut permettre de constituer, n'est-ce pas, ce que le peuple, en tant que collectif, ne serait-ce pas une défense autour de des assassinats qu'ont subis nos héros nationaux contre ceux qui les ont commis. Et après maintenant, un espace de mémoire, un espace de pèlerinage pour les jeunes que vous éduquez. On voit dans les pays, dans les autres pays, les jeunes des lycées s'en vont visiter, je ne sais pas moi, la tombe de Napoléon, la tombe de Lincoln. Heureusement qu'en Allemagne, bon, on ne parle pas de Hitler, même comme il a permis d'avoir les contrôles que nous avons sur nos routes tout le temps. Disons qu'en ce qui concerne la réhabilitation de la mémoire de ces héros nationaux, ou bien d'un procès qui leur rendait justice, on ne peut pas s'attendre à ce que cela vienne de sitôt des gouvernements actuels. Peut-être c'est les gouvernements futurs qui pourront le faire. Parce qu'en ce moment-là, beaucoup d'acteurs coupables aujourd'hui seront décédés, seront morts. D'un autre côté, pour ce qui est de la réhabilitation de leur mémoire, on ne doit pas seulement attendre de l'État. On peut envisager des initiatives privées. Ça peut être des associations, ça peut être des individus. Il est, je crois... Mais je ne vous coupe pas, professeur. Est-ce que ça a le même poids quand on a pris à l'Assemblée nationale une loi qui fait de ces nationalistes, les héros, vouloir que ce soit des initiatives individuelles, comme on le voit souvent, et qui n'ont même pas souvent l'iconographie nécessaire, parce que nous avons vu à un certain monument, quelque part, je ne sais pas, dans la Sanaga maritime, qui n'a rien d'un monument funéraire. Et on vous dit que c'est comme ça qu'on va célébrer nos martyrs. Parce que cette question nécessite quand même une réflexion autour de la cosmogonie africaine. On ne fait pas une tombe comme on fait un pont. Permettez-moi l'expression. Alors, en politique, il y a ce qu'on fait parce qu'on y croit, et il y a ce qu'on fait parce qu'on doit contenter le peuple, ou bien parce qu'on doit s'attirer un certain électorat. Nous, c'est parce qu'on veut reconstruire l'Afrique. Ça, je vous comprends parfaitement. Vous parlez en technocrate, en chercheur, en intellectuel. Mais le politicien qui a glorifié, je ne sais pas, Martin Paul Samba, Félix Roland Moumier, Ossendi Afana, il pouvait le faire pour être dans l'air du temps, pour paraître élégant, panafricain. Ce n'est pas forcément parce qu'on y croit profondément. Et d'un autre côté, pour encourager la lutte panafricaine, il faut saluer l'existence d'une chaîne comme Afrique Média TV, qui est une originalité africaine. Ça fait partie des choses qui ont changé depuis 60 ans. Il faut aussi saluer des actions comme par exemple la capacité à retirer le terminal du conteneur, du terminal à conteneur du port de Douala, du groupe français Bolloré. C'est des choses qu'on n'aurait jamais envisagées. On espère qu'il perdra aussi Camaray et puis les fermes. C'est possible. C'est comme la question du franc CFA. Que ce soit possible. Ça doit être une impérieuse nécessité. C'est une réalité. Il faut. Une urgence. Effectivement. C'est comme la question du franc CFA. Vraiment, on n'oserait même pas évoquer ça il y a 60 ans. Mais aujourd'hui, on réclame la fin du franc CFA. C'est une avancée qu'il faut reconnaître. Donc, en réalité, l'Afrique fait son bonhomme de chemin qu'il faut savoir saluer à sa juste mesure. Et je voudrais aussi faire allusion à un fait là. Pour que la lutte panafricaine soit très efficace, il y a ce que j'appelle le blocus militaire panafricain. Cette capacité des États africains à faire bloc là où il y a élection présidentielle. Ça a commencé, à ma connaissance, c'était au Gabon en 2016. Lorsque 500 mercenaires français avaient été déployés pour renverser le président Ali Bongo qui avait posé des actes panafricains sur lesquels on ne peut pas revenir, mais qui étaient très nets. Il a fallu que les États africains, dont le Cameroun, le Tchad, envoient leurs militaires sur le terrain. Bon, pour protéger leurs ressortissants, eux aussi. Mais surtout dans l'esprit d'empêcher les renversements qu'on connaissait par le passé. Hier encore à Bangui, lorsqu'il y avait l'élection présidentielle,
ce blocus militaire panafricain a fait ses preuves sous l'instigation de la Russie, sous le patronage de la Russie. Cela a empêché l'impérialisme français de renverser le très brillant président Archange Touadéra. Donc ça, c'est des éléments, à mon avis, que la lutte panafricaine doit prendre très au sérieux. Et je parle de Vladimir Poutine. Je parlerai aussi de la panafricanisation continue des consciences. Parce que la sensibilisation, elle est faite dans un sens comme dans l'autre. Dans le sens panafricain comme dans le sens impérialiste. Parce qu'il y a des médias comme RFI, France 24 et autres, Deutsche Welle, qui servent les impérialismes. Alors que de notre côté, il faut densifier encore des médias comme Afrique Média, qui font un travail remarquable. Donc, il est question de contrôler une part de marché. Il s'agit d'influencer au maximum les populations pour qu'elles prennent conscience. Donc, le taux de panafricanisation, ou alors le taux de panafricanisé, a besoin de s'élever encore. C'est-à-dire la masse critique, c'est le terme que certains utilisent, a besoin de s'élever encore pour une meilleure prise de conscience, pour qu'on espère avoir des dirigeants intègres, des dirigeants panafricains aux affaires. Donc voilà quelques éléments qui me viennent à l'esprit pour l'instant là, sans oublier le fameux caddie dont un appelant a fait allusion tout à l'heure. Pour moraliser un peu la politique. Parce que dans ma vision politique, justement, le caddie est envisagé. Si jamais je devais être aux affaires, le ministre des Finances, le directeur du Trésor et autres passeront par là, obligés. Seulement parce qu'ils sont les causes principales, professeur Mbelek. Il y a le professeur Com qui dit qu'il faut aller vers la masse critique. Or, vous avez évoqué à un moment donné notre urgence d'esprit mathématique, si je ne me trompe pas. Et quand vous regardez la faune politique actuelle de ce qui nous sert d'espace physique, le Cameroun, en comparant, n'est-ce pas, l'engagement d'un leader comme Ossendé Afana, qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi nous ne trouvons pas des hommes et des femmes capables, n'est-ce pas? Les dernières actualités politiques au Cameroun, maintenant, je vois des gens qui sont dessus par des gens qui ont semblé leur présenter une image qui semblait crédible. Mais maintenant, quand vous vous approchez, ces gens, vous citez des noms, on vous dit « Ah, ils nous ont trompés. Ah, pourquoi on a ce déficit de leadership politique ?» Bon. Alors, d'abord, moi, c'est vrai, j'insiste sur les mathématiques. C'est très important. Grâce aux mathématiques, si vous avez les bons faits, mettons qu'Afrique Média apporte les faits, vous allez bien raisonner et la conclusion sera bonne. Vous aurez les bonnes solutions pour agir. Parce que l'investigation théorique va avec l'action pratique. Si vous faites que des actions, mais vous ne prenez jamais le temps d'y réfléchir, et c'est ce que fait une évaluation de vos actions, vous risquez de naviguer un peu à vue et manquer de prévoyance. Et parfois même ne pas être capable d'éviter certains obstacles. Donc, à côté de l'action, il y a l'investigation théorique, ça va ensemble. Mais si vous faites que l'investigation théorique, vous avez bien raisonné, trouvé les bonnes conclusions, mais vous n'agissez jamais. Les problèmes sont toujours là, même si vous les comprenez. Donc ça va de pair. Il faut donc avoir une bonne source d'information, être bien informé, mais aussi être capable de bien raisonner. Vous voyez, les deux à la fois. Maintenant, même si vous raisonnez bien et que vous avez des bonnes sources d'information, mais si ce n'est pas dans vos habitudes de raisonner, quelle que soit la circonstance, parce que le cerveau humain, certes, est de raison, mais est beaucoup irrationnel. Oui, c'est ce qui explique même le génie humain. Il y a une bonne part d'irrationalité qu'il faut gérer par la raison. Donc ça veut dire que si on ne se crée pas une habitude de raisonner, quelle que soit la circonstance, on aura tendance à aller selon « Ah ça, je suis d'accord avec lui. Ah ça, c'est beau. Ah ça, c'est de bon goût. Ah ça, c'est la mode du moment. » Bref, or ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que si c'était le cas, non seulement nous ne serons pas là aujourd'hui, parce que nos ancêtres n'auraient pas assuré le futur, mais les autres aussi qui nous dominent là, qui nous créent des problèmes, n'existeraient pas.
Il a fallu que l'homme africain maîtrise les mathématiques. Nous en avons la preuve attestée au Congo il y a 25 000 ans. Il a fallu qu'il maîtrise les mathématiques pour que non seulement les Africains, mais le reste du monde aussi en profite jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, certaines choses se retournent contre nous, alors que c'est nous, nos ancêtres qui sont les auteurs. Donc, si j'ai l'esprit mathématique, je raisonne. Les mathématiques jettent la lumière sur tout problème posé. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret après. C'est juste jeter de lumière, de façon raisonnée. Donc, si c'est la religion, on jette la lumière sur la religion, et on arrive à cet aphorisme de doyen qui vient de donner tout de suite, là, à savoir, tu as ton arbre, tu vas arroser les racines de ton arbre ou les racines de l'arbre du voisin qui est même ton ennemi, à la limite. Bien sûr. Si on raisonne, évidemment, tout le monde dit qu'il faut arroser notre... Mais nos racines, c'est notre religion. Donc, vous voyez, l'adhésion est... Si les gens raisonnent, il n'y a pas de problème. Il n'y aura pas de... Non, moi, je suis catholique, je suis protestant, je suis musulman. Et en fait, c'est l'étranger, parce que les chefs sont à l'étranger. Parce qu'ils ne raisonnent pas. Raisonner, c'est faire les mathématiques. À savoir. Mais pour la vie. Pas les mathématiques au tableau, faire un papier scientifique et espérer avoir la médaille Fields. Non. Pour la vie et dans la vie. Il faut au quotidien. Même tu fais un pas. Tu fais d'abord les mathématiques avant le second pas. Ça devient dans notre substance. C'est l'ADN, c'est l'ADN de la civilisation africaine. Alors, on fait les mathématiques, ça veut dire qu'il faut être juste. Il faut toujours justifier son action. Si tu fais l'adhésion de tes frères, ce n'est pas parce que tu es le plus beau, parce que tu as le meilleur discours, ou tu les as trompés, parce que ton discours est mielleux, tu les as endormis un instant, ils ont voté pour toi. Non, tu dois justifier ce que tu fais. Et une fois que par exemple, on t'a élu, tu es là. Tu dois aussi justifier ce que tu vas continuer à faire. Tu vas justifier l'argent que tu as utilisé pour faire ce que tu as. La justification. Et ça se décline. Hein. C'est juste. C'est justifié. Il y a la justice. Tout ça, ça entre. C'est point 1 mathématique. Et puis, il faut être vrai. Il ne faut pas être faux. Il y a trop de faux ici au Cameroun. Surtout à Douala. Il y a trop de faux. Même à Enéo, il y a des faux chez Enéo. Il y a les faux Néo, les gens qui viennent chez toi et ils te disent que tel compteur, il faut payer. Alors que, en fait, c'est même pas. C'est une mafia qui existe à Néo. Il y a trop de faux ici à Douala. Des choses qui ne se suffisent en rien. Ça aboutit à la corruption. Des mœurs. Pas seulement en termes marchands, mais même des mœurs. Donc, il faut être vrai. Il faut mettre en avant la vérité. Il faut être équilibré. Il ne faut pas exagérer. Ah, ok, tu as bu une Guinness, ça ne suffit pas. Comme il y a deux jours à la journée des femmes. Ok, on va boire 10 bières. On va se saouler, on va aller dormir dans le caniveau. Mais non, il faut être équilibré. Parce que ton équilibre sert d'exemple pour élever les enfants. Il faut être équilibré. Il ne faut pas aller dans les excès non plus. Cet équilibre nous oblige aussi à respecter l'ordre social. Donc l'ordre aussi est mathématique. L'équilibre et l'ordre. Et l'équité. On ne peut pas donner la même chose à tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est pour ça que moi, je suis contre la démocratie. Je pense qu'un de nos pièges est tombé dans la démocratie. Je suis contre la démocratie. Et la démocratie, Doyen Simo, ce n'est pas le pouvoir du peuple pour le peuple. Hein. C'est soit les hommes pouvoir du peuple. Mais tu vois que dans la pratique, il y a des représentants. Bien le peuple est toujours représenté. Donc, il y a une tromperie quelque part. Or, les anciens Grecs même avaient déjà démontré à l'époque, à Athènes en particulier, que la démocratie implique la corruption. Ok, voilà, donc, il faut l'équité. On ne peut pas donner à tout le monde la même part, soi-disant, comme c'est l'égalité. Ce n'est pas l'égalité, c'est l'équité. Donc, celui qui a besoin de plus, on lui donne plus. Celui qui a besoin de moins, on lui donne moins. Pourquoi ? C'est tout ça pour aller vers l'harmonie de la société. Parce que quand tu donnes moins à quelqu'un qui en a besoin de plus, alors que l'autre, tu as donné autant, alors que lui, il a besoin de moins, celui-ci va aller agresser l'autre. À un moment donné, il va la laisser parce que son besoin est toujours là. C'est pas juste. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, il faut boucler tout ça. Ça ne sera pas juste. La société ne sera pas harmonieuse. Vous voyez ? Tout ça entre dans les mathématiques. Et finalement, j'ai parlé de l'ordre. Le désordre, ce n'est pas bon. Et il y a un ordre pour faire les choses. Là, je dois me réserver. Tout à l'heure, je dois agir. La guerre, on perd les guerres comme ça ou on les gagne comme ça. On me dit, reste là, dans ce trou.
quelle que soit la quantité d'obus qu'ils vont tirer, tu ne sors pas de là. Si tu meurs, tu meurs, mais tu ne bouges pas de là. Tant que l'ordre n'est pas arrivé, que tu bouges. Quitte à prendre le risque que l'obus tombe sur toi, tu meurs. C'est pas grave. Dans le plan, ça fait partie du plan. D'autres sont aussi là en attente. Mais si tu sors avant, non seulement tu ramasses... Parce que l'ennemi t'a vu. Dès que tu sors, on sait où tu étais. Parce qu'au début, tu tires au hasard. Ils ne savent pas. Ils espèrent que quelqu'un va bouger pour qu'on vous repère. Quand tu sors, non seulement les gens vous êtes détruits là. Mais en plus, les autres, ils pensent qu'à l'instant, on va te solliciter. Tu vas agir. Or, on sollicite. Tu es déjà mort. Tu n'agis plus. Voilà, la guerre est perdue. L'ordre est mathématique. Et il est dans la hiérarchie. Il y a une hiérarchie, la société humaine, tout le monde ne vaut pas tout le monde, il y a une hiérarchie. Mais il y a aussi dans l'institution des événements. Et ce sont ces habitudes que nous devons avoir. Nous devons implémenter ça dans nos vies. Et l'harmonie. Pourquoi s'imposer à sa femme? On veut faire le fort. Pourquoi la femme s'impose à l'homme en lui imposant des goûts, alors que le mari n'a pas les moyens? Ce n'est pas harmonieux. Le but du jeu, c'est de créer une société harmonieuse, juste, vraie, équilibrée, équitable. Et tout ce qui va avec. Donc voilà à quoi mènent les mathématiques. Vous voyez? Et je dis que c'est une science humaine. Je redis encore, n'en déblesse à celui qui n'arrête pas de me dire, Belek arrête, dit que les mathématiques sont une science humaine. C'est humain dans le sens, il n'y a que les humains qui peuvent dire, on est d'accord. Parce que le cerveau humain est câblé de la même façon pour tous les humains. Les mathématiques, c'est un carburant supplémentaire qui fait que, entre deux personnes, et celle qui applique les mathématiques dans sa vie, et l'autre qui ne l'applique pas, celui qui l'applique dans sa vie sera toujours plus performant. Plein de carburant. Donc, les mathématiques, c'est le câblage. Et il n'y a que les humains qui font les mathématiques. Sinon, il faut changer de mot. Absolument. Là, je partage votre avis. Hein. C'est une science. Donc, dans ce sens-là, je dis que c'est une science humaine. Là, c'est pas réalité, parce que je prends la liste de ce que les Français, avec leur langue, ont appelé science humaine. C'est dans le sens où c'est vraiment propre à l'humain. Propre à l'humain. Voilà. Absolument. Alors, nous sommes toujours aujourd'hui, dans le cadre de la Renaissance africaine, en train d'évoquer un jour, ce 15 mars 1966. Un événement, l'odieux assassinat du docteur Castor Osende Afana. Alors, Castor Osende Afana, assassiné dans cette brousse de Ndelele, un des appelants nous a dit tout à l'heure que le village est maudit. Depuis 1978, on essaye de construire une maison de la femme. Il est peut-être temps que les Africains rendent un hommage objectif, sérieux, équilibré et ordonné à leurs ancêtres. C'est à cela que nous retrouverons le carburant nécessaire pour, n'est-ce pas, mettre hors d'état de nuire ceux qui pillent l'Afrique depuis 5 siècles. Docteur Simon a évoqué tout à l'heure le poids. Simon, dans l'autre cadre, je connais. Pourquoi vous ne voulez pas dire la vérité? Pas dans le sens de la médecine ou de la construction, n'est-ce pas, universitaire, occidentalo-chrétienne, hein? Mais je sais que vous avez fabriqué des médicaments qui sont efficaces. Et comme ceux qui soignent sont appelés ailleurs docteurs, moi je dis que vous êtes même au-dessus. Il me manque peut-être un mot pour vous donner, bon, pour ne pas faire des jaloux, parce que si vous dites que vous êtes un académicien de haut vol, les gens vont encore commencer à dire que je vous encense. Mais le patriarche Simo a dit qu'il faut que les Africains aient aussi leur référentiel d'engagement. Et un des appelants vous a dit... Peut-être qu'il faut que les gens commencent à jurer sur le caddie. Parce que quand ils utilisent la Bible, comme ils sont les crétois, ce sont des menteurs de mauvaise foi. Ils jurent en sachant qu'ils sont en train de mentir. Alors, comment sortir de ce cercle vicieux? Monsieur Sor, il faudrait qu'on sache que, sincèrement, nous devons nous mettre dans la tête qu'on est sorti de quelque part. Dieu qui a créé le ciel et la terre a créé chacun à partir d'une culture. Et cette culture, vous ne pouvez pas avoir une culture et vous départir de cette culture pour embrasser la culture des autres. C'est quelque chose qui n'a même pas de sens. Il n'y a que les Africains pour le faire. Je l'ai dit tantôt et je le dis encore une fois. Vous ne pouvez pas aller ramasser une mangue au-dessus d'un oranger. Vous avez beau invoquer Jésus, Allah, qui ne vous connaît même pas, qui vous ignore complètement, au détriment de vos ancêtres. Je l'ai démontré qu'un arbre, si vous avez un arbre devant votre maison, les racines sont dans le sol. Pas, les racines ne sont pas ailleurs, et le tronc ailleurs, et les branches ailleurs. Ce n'est pas possible. Il n'y a que chez les Africains où on voit des gens qui ont leurs racines ailleurs, leur tronc ailleurs, et les branches, et les fruits même ailleurs. Je me pose des questions si
vraiment, je demande seulement aux Africains de d'éteindre leur, d'arrêter. Parce que beaucoup d'Africains ont été en classe. Ils n'ont pas été à l'école. Il est temps de quitter la classe pour aller à l'école. Parce qu'à l'école, on fait des recherches pour savoir exactement qu'est-ce que... Parce qu'en classe, on récite. La preuve, quand un Africain ne peut rien dire sans dire verset biblique. Kant a dit que... Verset biblique. Verset biblique. Oui. Coran a dit ceci. Toi-même, tes ancêtres t'ont dit quoi? Rien du tout. Ils sont complètement à côté de la plaque. Et donc, même quand il paraît que c'est eux qui ont écrit ce qui a été copié par les autres dans le problème, c'est qu'ils sont plus que des témoins oculaires de quelque chose qu'ils ne maîtrisent même pas. Vous ne pouvez pas prendre le livre de quelqu'un et interpréter plus que lui. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai écrit par exemple ce livre. Je peux interpréter même très mal, mais c'est moi qui l'ai écrit. Mais quand vous prenez la Bible de quelqu'un, vous ne savez même pas où elle est. C'est une affaire qui regarde, qu'on a fabriqué pour vous mettre en prison spirituellement. Mais vous invoquez tout ça à longueur de journée. Il dit, sortons de la classe pour aller à l'école. Et l'école, il y a du chemin à faire pour y arriver. Avec un peu de volonté. Alors, le professeur Simo va certainement dire à ses enfants de sortir de la classe pour aller à l'école. Et à l'école de la Renaissance africaine. Alors, professeur Simo, pour vos élèves c'est qui c'est vous pas écoutent. Simo. Le professeur comme Bernard. Pour vos élèves et leurs parents qui vous regardent ce soir, que faire? Alors, vraiment, la Renaissance africaine passe en premier lieu, selon mon niveau de compréhension actuel, par un retour à la spiritualité d'origine, la spiritualité animiste, la spiritualité ancestrale. De mon expérience, c'est la spiritualité qui protège le mieux la vie. Cela a irrité quelques intellectuels quand j'ai dit ça, mais en fait, c'était des gens qui n'étaient pas encore prêts à le comprendre. Je vais citer rapidement quelques anecdotes, quelques faits historiques. Dans le village Bayangam, qui est le mien, il y a très longtemps, peut-être 60, 70 ans aujourd'hui, chaque fois qu'on ordonnait un prêtre de Jésus-Christ, il mourait jeune. Alors un jour, on a ordonné 7 prêtres. Dans le temps, ils sont morts les uns après les autres. Le chef de village de l'époque, Sa Majesté Okam Christophe, le père de l'actuel, il avait alors rassemblé ses notables. Ils ont fait un conclave, ils ont analysé, ils ont réalisé que il fallait au préalable introniser les jeunes avant qu'ils n'aillent devenir prêtres de Jésus-Christ. Je précise bien de Jésus-Christ. Le premier prêtre qui a subi ce rituel d'intronisation, s'asseoir sur la chaise, comme on dit vulgairement, c'était le père Vincent Fechance, un jésuite qui est mort en mars 2020, après avoir vécu environ 80 ans. Il a fait le tour du monde, il a fait beaucoup d'ouvrages. D'autre part, aujourd'hui, avec l'apparition du Covid-19, tout le monde a apprécié les prouesses de Mgr Cléda. Il faudrait que les gens sachent qu'avant Mgr, il y a le médecin traditionnel. Mgr Cléda, c'est un fils digne, spirituel de l'Afrique. Donc, ses prouesses médicales, même ses interventions en rapport avec la politique, ont un soutien spirituel ancestral. Et j'ai lu également sur les réseaux sociaux, si ce n'est pas un fake, c'est la réalité, que hier, le 9 mars, Monsieur Cardinal Christian Toumi, il a renoué avec la religion de ses ancêtres. J'ai vu des images. J'ose croire que c'est des images réelles. Donc voilà quelques sommités, je dirais chrétiennes comme ça, qui ont dû renouer avec la religion de base. J'en fais l'expérience tous les jours au quotidien. Je me sens comme un porte-parole des ancêtres dans ce sens. Donc, fini l'époque où les intellectuels africains se demandaient, faut-il choisir le retour à nos racines ou bien l'adhésion à la modernité? Fini cette époque. La vérité, c'est que chaque individu doit se recentrer dans la religion de ses ancêtres pour devenir plus fort, plus stable. On doit cesser de voir tous les jours de brillants Africains mourir et laisser la souffrance. Parce que la prospérité des individus, ça fera la prospérité d'ensemble. Donc, pas d'États-Unis d'Afrique sans retour à la réalité spirituelle, notre religion, celle de nos ancêtres. Il y a beaucoup à dire là-dessus.
Voilà comment je peux chuter, docteur Sohon Dombolo. On prendra le temps de revenir sur une question, sur la question de la religion, peut-être un jour pour toute une émission. Professeur Mbelek, nous sommes en train de conclure cette autre énième page de la Renaissance africaine où nous avons évoqué la figure tutélaire du docteur Castor Osende Afana. Nous espérons qu'avec l'esprit des mathématiques, vous avez un enseignement à transmettre aux futures générations à qui nous espérons un jour passer la main d'une Afrique beaucoup plus glorieuse. Bon, d'abord, je donne des cours. Donc, les gens qui veulent me contacter peuvent m'appeler. Voilà, je donne mon numéro de téléphone, hein, je l'ai déjà donné plusieurs fois ailleurs. 671-85-77-05. Donc 671-85-77-05. Ils peuvent me contacter pour s'inscrire et puis voilà, on commence les cours. Je fais ça même online avec d'autres. Donc je dirais que, d'abord, pour ce que docteur, professeur Combe a dit, Bernard Combe, il y a un ordre, moi je dis, dans les mathématiques il y a un ordre. On peut rajouter l'exactitude, hein, il n'y a pas d'à peu près, c'est l'exactitude que nous cherchons. Et il y a un ordre. Moi je pense que les mathématiques priment sur quoi que ce soit, y compris la spiritualité. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit mathématique, la preuve on y est, on peut le tromper dans sa spiritualité. Il y en a qui vont à la Rose Croix d'Or, il y en a qui vont chez les francs-maçons, je ne sais pas où. Par contre, s'il a l'esprit mathématique et que c'est une habitude, il saura qu'il faut qu'il adhère à cette spiritualité-là qui est la sienne. Ça serait évident. Vous voyez ? En faisant la balance, les équilibres, là, il verra que c'est là-bas qu'il doit aller. C'est là-bas qu'il a, que c'est harmonieux pour lui. Donc moi, je dis que les mathématiques priment. Et les mathématiques, il ne faut pas mal comprendre la chose. Les mathématiques, ce n'est pas une affaire de calcul. Hein. Les mathématiques jettent la lumière sur le calcul. Le calcul n'est pas les mathématiques. Les mathématiques jettent la lumière sur tout, y compris sur la physique. Les mathématiques jettent la lumière. Et donc même sur la spiritualité. Ce n'est qu'une lumière que nous projetons. Vous voyez ? Donc, les mathématiques, c'est d'abord le raisonnement. C'est le stade suprême des mathématiques, le raisonnement. Et on peut raisonner sur les nombres, les chiffres et tout ça. Mais pas seulement. Sur les figures, les formes. En réalité, le plus fondamental en mathématiques, c'est la forme. La forme, l'élément de base en maths, c'est la forme. Et c'est lié certainement aux connexions de nos synapses dans le cerveau. Ça, là, je m'avance un peu. Hein. Un peu trop loin. Je reconnais. Mais ça nous renvoie à la forme née de l'Afrique. En tout cas, la forme, c'est important. Pour Osende Afana, puisque l'émission lui était consacrée dans cette nouvelle tribune de Renaissance africaine, il était bon d'en parler parce que c'est une figure. Bon, pour le Cameroun, c'est un héros national. C'est aussi un héros national, même pour le continent africain. Et nous prenons la Renaissance africaine, c'est-à-dire que nous sommes passés par un âge sombre dans lequel on a perdu beaucoup de vies à travers l'esclavage, la colonisation et même le néocolonialisme, dans lequel notre indépendance a été remise en cause. Il faut que nous renaissons de façon libre, indépendante et avec, en élevant le standard de vie des populations. Ça, c'est quand même un projet de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Voilà. Donc, dans une émission comme Renaissance africaine, cette retour de l'émission, une figure comme Osende Afana, l'Union des populations du Cameroun, et en plus un économiste, donc quelqu'un de lettré, avait toute sa place. Et je pense que si moi je dois retenir chez Osende Afana, c'est quelqu'un, c'est un intellectuel organique, c'est-à-dire qu'il s'est donné au peuple. Et il n'a pas hésité une seconde. Au dépens d'avantages qu'il aurait pu tirer dans la société capitaliste, hein, de vendre ses services, même en travaillant pour l'oppresseur, il n'a pas hésité une seconde à sacrifier sa vie. D'autres l'ont fait. Mais moi, Jean-Paul Mbelek, je dis qu'il est temps qu'on arrête de sacrifier nos vies, comme ça, sans retour. Parce que notre sang aussi coûte cher. A de la valeur. Donc maintenant, quand on donne notre sang, en tout cas, moi, je suis prêt à donner le mien, il faut qu'il y ait un résultat. Un résultat immédiat pour le bien-être des personnes. Qui suit derrière, absolument. Absolument. Voilà. Merci une fois de plus, professeur Mbelek. Merci, professeur Combe. Une seconde. J'ai peur d'être mal compris. Je ne veux pas dire qu'on ne s'engage pas parce qu'il n'y a pas de résultat. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ou de réussir pour persévérer. Non, je veux dire que quand on doit s'engager, quand c'est nécessaire, par obligation morale, ben, l'engagement étant là, il mérite. Il faut maintenant qu'on se batte pour avoir des résultats. Oui, se batte jusqu'au résultat. Absolument. On vous a bien compris. Okay. Patriarche Simon, bonsoir. Et oui, pour cette autre sortie de la Renaissance africaine, un jour, un événement, un homme, c'était le 15 mars 1966.
l'odieux assassinat du docteur Castor Osende Afana, l'un des plus brillants esprits de l'Afrique, une image, un modèle, effectivement un levain pour cette renaissance que nous voulons tous. Et comme l'a dit l'un et l'autre, il nous faut commencer à donner de la valeur à notre combat. Il nous faut revenir à nos sources. Et pour cela, je m'en vais rappeler à beaucoup qu'il y a un nouveau concept qui est en promotion par le CEDOTOLA, qui est l'industrie tradition de l'Afrique, c'est-à-dire la réorganisation pour le développement de l'Afrique à partir de ces traditions. Il est donc temps que la Renaissance commence à avoir des fruits. Et nous pensons qu'à partir d'Afrique Média, la chaîne panafricaine, l'Afrique c'est nous, nous allons continuer à semer cette graine-là et bientôt nous aurons les fruits. Mais comme nous sommes des sages africains, nous savons que ce n'est pas parce que nous avons planté un arbre que nous serons nécessairement les premiers bénéficiaires, parce que nous mangeons les fruits des arbres, ceux que les autres ont plantés. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Vous étiez sur la chaîne panafricaine, restez accrochés à nous. Une fois de plus, l'Afrique, c'est nous.